Bonjour à tous et à toutes. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez correctement? Faites-moi un petit coucou dans le chat. Parfait. Bon, ça marche, c'est le principal. Je vais laisser encore les gens arriver un petit peu là tranquillement avant de démarrer dans le vif du sujet. Donc déjà, ceux qui sont présents, bienvenue à ce nouveau Meetup WordPress de Nantes. J'en profite rapidement. Désolé pour ceux qui étaient impatients de faire ça en présentiel. On a eu pas mal de petites problématiques techniques là, cette semaine qui ont fait qu'on a dû voilà, switcher un petit peu de méthodologie pour ce soir. La prochaine fois, on essaiera de faire le mix. On fera un meet-up en présentiel dans Nantes et on essaiera en même temps de retransmettre pour ceux qui habitent loin de la région nantaise et qui veulent quand même aussi suivre nos meet-ups. Là, ce soir, ce n'était pas possible. Donc, on essaiera de faire ça la prochaine fois. Et donc on est d'accord, effectivement, Stéphane, nous aussi on voulait boire des bières ou boire un petit coup après le meet-up. Donc là, ce n'est que partie remise, on fera ça la prochaine fois. J'en profite aussi pour relancer un appel aussi. On cherche voilà, toujours des orateurs pour animer les prochains meet-up. Donc s'il y a un sujet qui vous intéresse, même si sur lequel vous n'êtes pas forcément expert, je sais pas, moi, ça peut être l'accessibilité, la sécurité, le temps de chargement, la gestion client, le monde open source. Voilà, ça peut être tout ce qui est lié de près ou de loin à WordPress. Si jamais ça vous intéresse d'animer ou de co-animer un meet-up, ce sera avec grand plaisir qu'on vous accueillera et qu'on pourra caler une autre date. Ce sera avec grand plaisir. Alors, excusez-moi si je tousse un peu. À force de faire des meet-up et des conférences depuis quelques jours, je commence à perdre ma voix. Donc, si vous m'entendez tousser au fur et à mesure, d'avance, pardon. Donc, voilà, ça c'était juste pour l'introduction. Ce soir, moi, je voulais vous parler d'un sujet, la création d'extensions. Alors, le but, je vous préviens d'office, ce n'est pas un meet-up code pur et dur. Hein. On ne va pas juste rentrer dans le code en long, large, en travers, de quel hook, quelle fonction, machin, etc. Le but du jeu, c'est de vous faire un petit retour d'expérience. Alors, je vous parlerai un petit peu des Soki qu'on a lancés, nous, la semaine dernière. Mais le but du jeu, c'est plutôt de vous dire, voilà, pas vous parler de l'extension en elle-même, mais plutôt du parcours qu'on a eu, nous, à l'agence, pourquoi on l'a fait, quelles ont été les problématiques techniques, les problématiques marketing, les problématiques utilisateurs, quels ont été les outils qu'on a mis en place, quelles sont les bonnes pratiques qu'on a essayé d'installer, quelles sont les erreurs qu'on a essayé d'éviter aussi, tout simplement. L'idée, voilà, c'est d'essayer de balayer un petit peu tout ça pour vous montrer voilà, un petit peu ceux d'entre vous qui veulent se lancer dans la création d'extensions gratuites sur le repo officiel ou ceux qui voudraient se lancer dans la vente d'extensions. J'essaie de vous dire un petit peu voilà, quels sont les pièges, quelles sont les choses à regarder, quelles sont les choses à penser, tout simplement, et d'essayer de dégrossir un peu tout. Donc, vous allez voir, j'ai quelques petites slides et puis surtout, je vais vous faire des démos. Je vais vous montrer des exemples d'outils, de codes, d'interfaces pour montrer un petit peu le cheminement qu'on peut avoir dans une création d'extension. Donc, on va essayer de voir tout ça. Je prendrai un exemple SOKI. Je prendrai aussi un exemple d'autres extensions un peu au hasard, au pif, à vrai dire, ça n'a pas grande importance. Mais ça vous montre en fait toutes les problématiques qu'on peut avoir. Donc voilà un petit peu le principe de base. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de Zoom, vous avez un chat dans lequel vous pouvez échanger et discuter. J'essaierai de le regarder en même temps. Vous avez aussi normalement, à peu près par là, un système de questions-réponses. Donc si vous voulez vraiment mettre des questions à part entière dedans pour que je les voie plus facilement et que je puisse y répondre aussi plus facilement après, n'hésitez pas non plus. Et puis après, voilà, je suis vraiment ouvert. L'idée, c'est qu'on discute aussi, voilà, qu'on passe un bon moment ensemble par rapport à tout ça. Et je vous propose qu'on commence. Je vais partager mon écran, que je vous partage le bon écran. Normalement, c'est celui-là. Et normalement, vous devriez voir ma magnifique slide, créer une extension WordPress. Est-ce que vous pouvez juste me valider le fait que vous la voyez? Parfait. Donc, on va pouvoir démarrer. Je vais me présenter. Alors, je vais d'abord vous présenter la casquette Communauté WordPress de Nantes. Juste pour le petit historique, c'est ce n'est pas une asso en tant que telle, mais en tout cas, c'est voilà, plusieurs personnes qui s'étaient regroupées pour créer des meet-ups assez réguliers. Il y avait notamment Simon Janin, Stéphanie Vachon, Willy Bahuot, voilà, pas mal de gens de la communauté de Nantes qui essayaient d'organiser plus ou moins régulièrement ces meet-ups, qui n'ont malheureusement plus le temps. Voilà, on a tous des emplois du temps plus ou moins chargés. Donc nous, on a essayé de reprendre ça un petit peu. Enfin, moi, j'ai essayé de le reprendre via l'agence
On essaie d'organiser. Donc voilà, l'idée, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est d'organiser régulièrement des petites réunions sur des thématiques liées au tour d'entraide. Le but étant d'échanger, de monter en compétences, d'apprendre des nouveaux trucs et puis aussi de se faire un réseau dans cette communauté. Voilà, on a tous à apprendre les uns des autres. J'en parlerai d'ailleurs de la communauté dans la création d'extensions. Et je vais me présenter aussi rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Daniel Rock, je suis consultant SEO à la base. Je mets des sites en premier dans Google depuis 2008. Je suis également développeur WordPress depuis. Ça, je vous en parlerai aussi du cheminement d'apprentissage en tant que développeur. Et vous m'avez peut-être vu avec sous différentes casquettes. J'ai donné pas mal de conférences, j'ai créé un livre, j'ai créé une agence qui s'appelle SOMix et récemment, j'ai créé une extension qui s'appelle SOHOKI. Voilà pour la petite introduction. Et le but du jeu, voilà, c'est de vous dire aujourd'hui, imaginons demain, vous voulez créer une extension WordPress. Vous commencez par quoi? Vous faites quoi? Qu'est-ce que vous ne devez pas faire aussi, tout simplement. Le but du jeu, c'est qu'on dégrossisse un petit peu tout ça et puis qu'après, moi, je vous donne surtout mon retour d'expérience. Puisqu'en fait, j'ai créé donc SOKI récemment, mais en fait, j'ai créé d'autres extensions gratuites qui sont disponibles aussi sur WordPress.org sur différentes fonctionnalités. Donc, on va pouvoir voir un petit peu tout ça, comment ça fonctionne et ce que vous devez faire ou pas faire. Et en gros, la première question, et à la rigueur, c'est la plus basique, hein, que vous devez vous poser, c'est tout simplement pourquoi je vais faire une extension? C'est très bête, hein, mais c'est pourquoi est-ce que je vais être amené à faire une extension WordPress et surtout pourquoi je vais la diffuser? Puisque certains d'entre vous, dans le chat, je reconnais certains prénoms et certains noms, vous avez déjà fait des extensions pour des clients. Le client a un besoin, je ne sais pas moi, il veut un simulateur pour définir un prix pour ses produits, ce genre de choses. On va développer quelque chose sur mesure pour lui. On va avoir la même démarche pour les thèmes. Il veut dans son interface une fonctionnalité très spécifique, un rendu visuel particulier. Excusez-moi. Donc ça, c'est des choses voilà, qu'on a l'habitude de faire. Quand on va parler d'extension, là, je parle vraiment dans le sens où on va la diffuser, soit gratuitement, dans la communauté, donc au sens open source, dans le plus beau sens du terme, soit au sens business, je vais créer une extension premium que je vais essayer de vendre à un maximum de clients. Dans un cas comme dans l'autre, la question à se poser, c'est pourquoi est-ce que je vais en faire une? Moi, je vous donne le cas de figure que nous, on a eu à l'agence. En fait, pourquoi on a créé une extension de référencement naturel? C'était tout simplement pour nous à la base. Grosso modo, celle qui existait sur le marché ne nous convenait pas. Donc, on s'est dit, bah, en fait, ça ne répond pas à notre besoin. Et alors, j'insiste beaucoup là-dessus. Si vous créez une extension, quelle qu'elle soit, quelle que soit la problématique à laquelle vous allez répondre, vous devez vraiment vous poser cette question-là. Quelles sont les problématiques et quel est le besoin auquel je vais répondre? Imaginons demain, vous vous dites, moi, je vais créer une extension pour concurrencer les extensions de formulaire. Je veux concurrencer Gravity Forms, Contact Form 7, Formidable Forms, enfin, etc., etc. La vraie question, et d'ailleurs, c'est une question business, hein, pure et dure, d'ailleurs, c'est à quel besoin je vais répondre. Et que vous soyez sur une extension gratuite ou payante, c'est le même délire. Pourquoi est-ce que je vais créer? Parce qu'il faut savoir que l'univers des extensions WordPress, il est monstrueux. Pour ceux d'entre vous, vous n'avez peut-être jamais fait attention, je vais vous montrer rapidement, mais grosso modo, tac, 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 quand vous allez sur WordPress.org, donc là, je ne prends que les extensions gratuites disponibles en un seul clic dans votre interface WordPress. Quand vous allez dans la page des petits plugins, vous avez à votre disposition 59 734 plugins différents. Et ça, c'est uniquement ceux où des gens ont fait la démarche de le mettre sur le dépôt officiel de WordPress.org. Vous avez ensuite plein de sites qui vont proposer leurs propres extensions gratuites, plus toutes les extensions payantes qui peuvent exister un peu partout. Soit directement en vente par les créateurs, soit directement sur des plateformes comme Envato ou ce genre de choses. Donc, grosso modo, le marché est énorme. Si je prends l'exemple que je vous ai donné, je me dis aujourd'hui, je veux créer une extension pour concurrencer pour créer des formulaires. Si je tape ici, Forms, donc un besoin générique, vous allez avoir une petite liste d'extensions qui font des formulaires. Donc, vous voyez, il me dit qu'il y a 51 pages pardon, de résultats sur des extensions de formulaire. Et donc, la première démarche que je vous conseille de faire, c'est que si un jour vous voulez créer une extension, même si elle est basique dans le sens très simple, parce que vous répondez à un besoin très précis, posez-vous cette question-là. Aujourd'hui,
à quels besoins je réponds, quelles sont les problématiques de mes utilisateurs. Je ne sais pas moi, aujourd'hui, quelles sont les problématiques des gens qui font des formulaires de contact. Est-ce que c'est des problématiques de délivrabilité? Est-ce que c'est l'interface pour créer son formulaire qui est compliqué à mettre en place? Voilà, on va se poser plein, plein, plein de questions comme ça. Donc ça, c'est la démarche numéro 1. Démarche numéro 2, la concurrence. Pourquoi je vous parle de concurrence? C'est qu'en fait, quand vous allez sortir une extension, même gratuite, bah, pourquoi les gens iraient utiliser la vôtre? Pourquoi ils feraient l'effort d'aller la télécharger et l'installer si celle qu'ils ont est suffisante ou leur convient? Et vient un concept marketing qui est tout simple, hein, qui s'appelle la différenciation. Qu'est-ce que je peux apporter de mieux ou qu'est-ce que je peux apporter de différent par rapport à ma concurrence? Vous pouvez aussi apporter des choses en moins. Vous pouvez vous dire, bah, moi, je vais simplifier mon interface, faire quelque chose de plus pratique, de plus rapide, de plus ergonomique, sans rajouter plein de choses. Ça, vraiment, c'est une question, enfin, nous, c'est une problématique qu'on voit au quotidien avec des clients, hein, pur et dur, rien à voir avec les extensions en elles-mêmes. Mais si je me lance dans le développement d'une extension, il faut quand même que ça apporte quelque chose. Si je fais une extension et qu'au final, je recrée exactement ce que fait Contact Form 7, il n'y a pas un intérêt énorme. Je veux dire, vous n'aurez jamais des milliers d'utilisateurs parce que de toute façon, ça existe déjà sur le marché. Et en plus, c'est des extensions pour certaines qui ont déjà une certaine notoriété. Donc, il n'y a pas un intérêt. À part vous faire plaisir, parce que c'est toujours fun de développer une extension parce que ça permet de monter en compétence, de tester plein de choses. Mais de là à vraiment vouloir la diffuser si vous faites la même chose que les autres, il n'y a pas un intérêt qui va être énorme. Ça, c'est une vraie, vraie démarche que vous devez avoir en amont. Parce que cette démarche va vous permettre vraiment de vous dire, ben, au moins, mais mon extension, elle va être utile, elle va plaire, pas forcément à tout le monde, mais c'est quelque chose qui va être important. Et ce qui m'amène à l'autre point de la différenciation, vous devez faire des choix. Alors, nous, dans Esoki, ça a été exactement cette démarche-là. Malheureusement, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et surtout, il y a des fois où vous allez devoir faire un choix sur une interface, sur une fonctionnalité, ou même sur une façon de la développer. Donc d'un point de vue pur développeur, si je veux développer une fonctionnalité de formulaire, je ne sais pas moi, comment est-ce que je développe une interface pour créer mon formulaire et rajouter tous mes petits champs qui vont bien, bah, d'un point de vue code, je peux le coder de 100 façons différentes. Donc déjà, d'un point de vue code, vous allez devoir forcément faire des choix techniques. Mais vous allez faire des choix aussi de fonctionnalité, des choix d'interface, et il ne faut pas hésiter à faire ce type de choix. Puisqu'en fait, avec le recul, dans toutes les thématiques différentes d'un site WordPress, on utilise nos extensions de référencement, mais on utilise des extensions pour la sécurité, pour le temps de chargement, pour les formulaires, pour plein de choses. Et on se rend compte que très souvent, d'une extension à l'autre, il y a quand même beaucoup de choses qui sont identiques. Et pourtant, qui ne sont pas forcément bien faites. Ce n'est pas parce qu'une extension propose une fonctionnalité que vous devez la mettre en place aussi. Et inversement, ce n'est pas parce qu'elle ne la propose pas qu'il ne faudrait pas l'ajouter. Donc l'idée, c'est toujours, toujours d'avoir cette démarche-là, cette optique-là, de vous dire, moi, demain, si je crée une extension, bah, dans ma tête, il faut que je me dise vraiment vers où je vais aller, quelle serait pour moi l'extension que j'aimerais mettre en place. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est d'autant mieux quand vous créez une extension, avant tout pour vous, parce qu'en fait, vous savez quels sont vos besoins, et vous allez comme ça pouvoir élaguer tout ce qui ne sert à rien, entre guillemets, et inversement, rajouter tout ce que vous aimeriez mettre en place. Tout ça, c'est des choses qui vont être importantes. Et la dernière chose de pourquoi je vais faire une extension WordPress, c'est cette notion de planification. Toutes les extensions que moi j'utilise au quotidien, entre la version que j'utilise aujourd'hui et la version que j'ai installée la toute première fois, vous avez un gouffre. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est WP Rocket. Vous prenez WP Rocket quand ça a été lancé officiellement en extension premium. Et vous prenez la version actuelle, que ce soit au niveau des fonctionnalités, de l'interface, de l'approche marketing, un grand écart absolu. Et l'idée, c'est que quand vous allez créer une extension, même gratuite, hein, je rappelle toujours, vous devez essayer de vous dire, OK, je vais lancer une version 1 qui aura telle, telle fonctionnalité, où je vais essayer d'axer mon interface, ma communication de cette façon-là. Mais par contre, mon objectif, c'est d'aller vers cet horizon-là. Si je prends l'exemple des Soki,
entre ce qu'on fournit aujourd'hui et ce qu'on va fournir dans 1 ou 2 ans, on a encore des dizaines et des dizaines de fonctionnalités et d'améliorations à mettre en place. Mais un jour, faut sortir le produit, faut sortir votre extension. Et c'est pareil, tous ceux d'entre vous qui vous avez en tête le développement d'une extension, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est ayez en tête votre idéal, mais n'attendez pas d'y arriver. Lancez-vous, développez le truc et lancez-le le plus vite possible. Alors, je suis très mal placé pour dire de le lancer vite, hein. Ça, j'y reviendrai tout à l'heure en mode un petit peu plus histoire des Soki spécifiquement, mais l'idée, voilà, c'est de vous lancer et puis, de toute manière, il n'y a pas, enfin, rien à craindre, il faut y aller. Et puis, en général, en plus, vous verrez, on a une communauté qui est quand même plutôt ouverte, qui est là aussi pour aider. J'en reparlerai d'ailleurs parce que plusieurs personnes de la communauté nous ont notamment aidés pour SOKI. Donc, ça peut faire une grosse différence. Bon, ça, c'était mon petit pitch marketing, réflexion en amont, qu'est-ce que je fais, comment je fais, etc. Maintenant, on va rentrer plus dans la côté pratico-pratique, donc toujours pas dans la notion de code, mais on va dire que si vous créez une extension aujourd'hui, vous avez deux grandes solutions. Soit vous faites une extension qui va être gratuite, soit vous allez faire une extension qui va être payante. Je vais vous présenter juste rapidement les avantages et les inconvénients des deux. Comment on fait du gratuit, comment on fait du payant, et aussi deux, trois petites problématiques légales qui peuvent en découler, parce qu'il y a des choses, voilà, qui sont importantes en tout cas à connaître. Donc, on va commencer par la partie gratuite. Aujourd'hui, j'ai deux solutions, soit gratuitement, et en général, on va essayer de se dire, je vais aller sur le site WordPress.org pour diffuser mon extension, ou alors, entre guillemets, chez soi, et donc là, je vais faire souvent du payant, dans lequel je vais essayer d'avoir différents modèles économiques sur les extensions que je vais produire. Je vais m'arrêter, moi, sur WordPress.org. Demain, vous voulez lancer une extension gratuite. Comment est-ce que je fais? Par où je commence? Et comment est-ce que je peux être autorisé, entre guillemets, à être présent sur le site officiel de WordPress? Juste pour rappel, alors là, je vais revenir vite fait sur mon navigateur. Tac. WordPress.org. Aujourd'hui, ne vous permet que d'avoir des extensions gratuites. Vous ne pouvez pas acheter une extension payante sur WordPress.org. Ce qui est d'ailleurs très bien, ce qui évite, voilà, une pollution commerciale trop importante. Même si certaines extensions s'en donnent à cœur plaisir, enfin à cœur joie, pardon, de mettre de la pub dans leur version gratuite. Mais normalement, les extensions que vous trouverez sur WordPress.org sont des extensions gratuites qui vont répondre à différentes problématiques. Si demain vous voulez créer une extension WordPress et la diffuser, au-delà du code pur et dur de comment je crée une extension WordPress, vous allez en fait devoir demander l'ajout de votre extension sur le site officiel. Alors, il y a un petit formulaire pour ça qui est ici. Je vous mets le petit lien dans le chat, comme ça vous l'aurez pour ceux que ça intéresse. Dans lequel, ici, quand votre plugin est prêt, votre extension, pardon, en français, quand elle est prête, et que vous avez respecté les petites règles dont je vais vous parler juste après, et bien en fait, vous allez pouvoir la soumettre. Donc, grosso modo, vous préparez un petit fichier zip. Ce fichier zip, vous allez le soumettre ici. Vous allez redire que oui, vous avez bien entendu suivi les règles qui vous ont été données, que vous avez suivi les règles de code, ce qu'on appelle les développeurs guidelines de WordPress.org, que vous autorisez la diffusion à tout le monde, et ainsi de suite. Et une fois que vous l'avez soumis, ça va être revu par une équipe de WordPress, des bénévoles de WordPress, et qui vont vous dire si oui ou non votre plugin peut être diffusé au niveau international. Là, aujourd'hui d'ailleurs, il y a encore 14 extensions qui sont en liste d'attente et qui attendent justement cette revue. Il y a plusieurs petites choses à savoir si vous voulez vraiment donner votre extension gratuitement et la diffuser sur WordPress.org. Il y a des règles toutes bêtes. D'abord, faut savoir que quand vous allez la soumettre, lors de cette soumission, il y aura une revue de votre code. Il y a vraiment quelqu'un qui va regarder un petit peu ce que vous avez fait et comment vous l'avez fait. Alors, ce n'est pas un audit, hein, ils ne vont pas non plus décortiquer ligne à ligne, mais eux, en gros, ils vont dégrossir pour essayer de voir s'il y a des grosses erreurs, des gros manques en termes de sécurité, en termes de respect des standards de développement WordPress. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils vous remettent ici le petit lien. Ici, vous avez justement ce qu'ils appellent donc les plugin guidelines. Et là, vous avez un nombre de pages plus ou moins important où ils vont vous dire en fait tout ce que vous avez le droit et ne pas le droit de faire.
Il y a des choses très basiques, hein. Vous n'avez pas le droit d'exécuter du code qui serait présent ailleurs, vous n'avez pas le droit d'inciter à la haine, au racisme, et voilà, tout ce genre de problématiques qu'on peut avoir sur Internet. Vous avez aussi des notions de sécurité. Est-ce que vous n'avez pas des grosses failles de sécurité directement visibles dans votre code? Et tout un tas de choses comme ça. Donc, vous pouvez savoir déjà que votre extension, quand vous allez la développer et la soumettre, elle peut être tout simplement éliminée d'office sur ce critère-là. Alors, ce n'est pas définitif, hein. Ils vous disent pourquoi ça ne va pas, à vous de corriger et de resoumettre l'extension. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est plus une notion marketing. Vous n'avez pas le droit d'utiliser la marque WordPress. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas appeler votre extension, par exemple, WordPress Forms, pour reprendre mon exemple des formulaires de contact. Ça, c'est malheureusement interdit dans les guidelines. À l'époque, donc il y a des années, les extensions pouvaient. C'est pour ça que vous pouvez vous retrouver d'ailleurs avec des extensions. Pour reprendre un exemple de Yoast. Si vous prenez Yoast SEO, donc le nom que vous voyez, c'est bien Yoast SEO, mais dans l'URL que vous voyez ici, c'est bien marqué WordPress-SEO. Donc ça, d'office, si aujourd'hui Yoast n'existait pas et que je lançais une extension qui s'appelle WordPress-SEO, elle serait automatiquement refusée puisque j'ai le nom de la marque qui a été utilisée dans le nom physique de l'extension. D'ailleurs, sachez aussi que ce nom ici, WordPress-SEO, ne peut plus être changé. Une fois que ça a été validé, vous ne pourrez plus modifier le slug, enfin le nom du dossier de votre extension sur le site WordPress.org. Donc, mon meilleur conseil, c'est anticiper un petit peu le nom, puisque vous ne pourrez pas faire une muse et le changer tous les 4 matins sur WordPress.org. Donc, ça, c'est une petite chose, on va dire, à savoir. Et une autre chose aussi, ils vous le redisent à plusieurs reprises, ils vous demandent, j'y reviendrai tout à l'heure à plusieurs reprises, de tester. Tester, tester, tester. Pour une raison qui est simple, c'est qu'aujourd'hui, tous les sites Internet dans le monde qui utilisent WordPress peuvent installer les extensions disponibles sur ce repo. Donc 59 735 extensions. Donc, imaginez le nombre potentiel d'extensions et de combinaisons d'extensions qui existent. J'ai déjà 59 735 extensions puissant 59 735 si je compte juste la dernière version actuellement disponible de chacune de ces extensions, fois le nombre de paramétrages qui peuvent exister, fois le nombre de thèmes qui peuvent exister, fois le nombre de types de serveurs et de configurations serveurs qui peuvent exister dans le monde. Ce qui fait que nous, on a eu ce déboire-là dans nos tests internes. Votre extension, elle marche très bien, votre bootcode, c'est ah, c'est cool, ça marche. Vous les testez sur le site d'à côté et vous avez une erreur fatale directement. Donc, c'est toujours, toujours compliqué à prendre en compte. François demande d'ailleurs dans le chat, est-ce que WordPress demande des conformités genre PHP 8 ou PHP 8.1? La réponse est non. D'ailleurs, je ne crois pas, alors ça, je ne veux pas dire de bêtises, je peux dire une énormité, mais je ne crois pas que WordPress soit encore compatible PHP 8.1 lui-même. De mémoire, la recommandation, la version PHP minimum de WordPress, je crois qu'elle est encore à la 5.6 aujourd'hui. Il faudrait que je vérifie. Mais en tout cas, ce n'est pas du tout une obligation. Et après, par contre, vous, si vous développez un petit bout de code, une petite extension ou une grosse extension, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de tester tout. Idéalement, il faudrait être compatible 5.6, la version 7, la 7.1, la 7.2, 7.3, 7.4, 8 et 8.1. Parce que comme ça, vous essayez d'anticiper un maximum d'erreurs. Après, par expérience, on n'a jamais eu, nous, en tout cas, de gros bugs de passer d'une 7.4 à une 8, par exemple. Dans nos tests. Par contre, c'est l'inverse qui est vrai. C'est pas tout d'un coup, vous utilisez une fonction PHP en vous disant, oh, elle est facile celle-là. Et là, vous dites, ah ouais, mais mince, cette fonction PHP n'existe que depuis la version 7.4, par exemple, ou que depuis la 7.3. Et mon client ou alors mon utilisateur lambda qui l'installe et qui est en 7.2, je vais déclencher une erreur fatale et crasher son site. Donc, la règle de tester, 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 elle est super importante. Et ça, j'y reviendrai à plusieurs reprises. Dessus. Donc, tester. Et à la rigueur, plus les développeurs d'extensions seront compatibles avec plein de versions de PHP, plus il sera facile pour les utilisateurs de pouvoir switcher de version PHP sur leur propre site sans trop de soucis. Surtout qu'en plus, les versions récentes de PHP, elles apportent quand même beaucoup de choses. Elles sont souvent plus rapides,
Elles ont des fonctions aussi plus utiles, plus pratiques pour les développeurs. Donc, plus vite on ira, mieux ce sera. Et vous n'imaginez pas le nombre de sites et de serveurs dans le monde qui utilisent encore PHP 5, 5.6 ou juste 7, alors qu'il est grand temps de changer. Donc, tout ça, c'est des choses, voilà, en tout cas, à prendre en compte là-dessus. Donc, ça, c'est si vous voulez faire une extension gratuite. Une fois que ce sera fait, vous aurez la joie et le bonheur immense d'utiliser SVN pour faire vos mises à jour. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'SVN rapidement, ça permet en fait, un peu comme Git, de faire du versionnement et de déployer des versions. Donc, par exemple, je développe mon extension de formulaire, j'ai une nouvelle version avec une nouvelle fonctionnalité ou des correctifs, je vais vouloir pousser ma nouvelle version. Sauf que SVN, juste pour vous montrer comment c'est nul, rapidement, hop, je vais juste, alors, allez, hop, on va mettre là. Je vais vous montrer un exemple. Voici à quoi ça ressemble. Là, vous voyez, j'ai une série d'extensions que nous, on a développées à l'agence. Alors, j'en prends une toute bête, SX No Home Page Pagination, une extension qui vous permet de désactiver la pagination sur l'accueil d'un site WordPress. Vous ne voulez plus de pagination sur la page d'accueil, mais vous voulez la garder partout ailleurs. Vous installez cette petite extension gratuite. Bah, SVN, comment ça marche? Imaginons que je veuille faire une mise à jour. Donc, j'irai dans mon petit code. J'irai faire ma modification. Donc, vous voyez, j'ai qu'un fichier. Donc, quand je vous parle de petite extension, on est quand même sur un truc assez basique. Je fais ma petite correction. T'attaques pas, je suis content. Voilà, tout va bien. Et une fois que j'ai fait ma modification de code, en fait, je vais pouvoir pousser ma modification. Donc, en fait, je vais revenir à la racine. Et vous voyez sur Windows, vous aurez ici un petit élément qui s'appelle SVN commit, dans lequel il y aura ici la liste des fichiers que j'aurais modifiés. Je mettrai un petit message pour dire coucou, voici le fichier que j'ai modifié pour telle raison, et j'appuierai sur OK, et ça va déployer sur les serveurs de WordPress.org les versions. Il faut savoir, et c'est là où ça fait peur, que quand vous mettez à jour une extension qui vous appartient, personne, mais alors personne, personne, personne ne va venir vérifier votre code. Donc, quand vous allez pousser, si vous avez fait une erreur dans votre code, une erreur de sécurité, ou alors vous avez introduit un bug, ou tout d'un coup vous vous mettez à ne plus du tout respecter les règles de WordPress, bah malheureusement personne ne va contrôler. Et c'est pour ça que des fois, des extensions qui sont connues du grand public ou méconnues pour certaines, malheureusement vous mettez faites la mise à jour et ça provoque différents bugs sur votre site qu'il n'y avait pas. François me dit dans le chat que je triche. Oui, effectivement, je triche pour SVN. J'utilise un petit applicatif. Vous pourriez très bien le faire en ligne de commande aussi, hein. Mais n'empêche que SVN, c'est old school. Mais malheureusement, si vous voulez être sur WordPress.org, vous devrez passer par SVN. Je sais qu'il y avait un projet pour basculer sur Git. Je vous avoue que je pense que c'est pour l'instant pas d'actualité de basculer dessus. Même s'il y a pas mal de développeurs qui poussent parce que c'est quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus pratique. Mais en tout cas, voilà comment ça se passe avec une interface. Ça permet de simplifier quand même pas mal de choses si je veux pousser mes différentes choses. Il faut savoir aussi, dans SVN, vous allez avoir ce genre de choses. Vous voyez, j'ai un dossier trunk, tag, branches et assets. Trunk, en fait, c'est ce que les gens vont vraiment télécharger depuis WordPress.org. Et le deuxième dossier qui m'intéresse, c'est assets. En fait, c'est là où vous allez pouvoir pousser vos visuels, et notamment si je peux vous montrer par exemple donc SX No Pagination. Alors j'ai écrit n'importe comment. Hop. Alors ça marche, voilà, magnifique. Et c'est là où justement dans Assets, je vais pouvoir mettre cette jolie bannière, ce petit icône et puis ce même icône avec une taille un petit peu, un petit peu plus grosse. Donc voilà un petit peu comment ça marche dans le dépôt officiel. Il faut montrer patte blanche à l'entrée. Une fois que vous avez accepté, vous pouvez mettre à jour au fur et à mesure quand vous le voulez. Mon conseil, allez-y mollo non plus pour pas faire, pour rester poli, pour ne pas faire chier les gens avec des mises à jour tous les 4 matins. Mais par contre, après, il n'y a plus trop de contrôle. Ça ne veut pas dire par contre que votre extension ne peut pas disparaître du jour au lendemain, parce qu'il y a quand même des équipes chez WordPress qui passent du temps à vérifier quand ils ont des retours. Donc des fois, il y a des extensions qui peuvent être supprimées purement et simplement pour non-respect de la marque WordPress, pour non-respect des guidelines globales WordPress sur tout un tas de sujets, pour des notions de sécurité aussi. C'est-à-dire qu'un jour, si quelqu'un découvre une faille de sécurité, en fait, vous aurez un message privé des équipes de WordPress qui vont vous dire, bah, attention, là, dans votre code, il y a une faille, il faudrait la corriger.
Et si vous ne corrigez pas vite, en fait, on coupe votre extension purement et simplement du dépôt officiel en attendant que vous fassiez la mise à jour. Ça, c'est des choses. Excusez-moi. Voilà, en tout cas, c'est des choses assez importantes à avoir. Donc, ça, c'est si vous voulez faire une extension gratuite. Ceux d'entre vous qui veulent faire une extension payante, ou les deux d'ailleurs, parce que nous, c'est ce qu'on fera d'ailleurs à terme, on devrait avoir la version gratuite des Soki qui devrait sortir dans, je ne vais pas trop m'avancer, mais d'ici une dizaine de jours, on va dire. Mais vous pourriez avoir qu'une extension payante, ou un système un peu freemium, où vous avez l'extension gratuite sur WordPress.org, et une version plus étoffée, plus améliorée, sur votre propre site dans lequel vous allez pouvoir vendre votre extension. Des exemples, je peux vous donner par exemple l'excellente extension de cache WP Rocket. On va pas cliquer sur leur annonce. Donc, eux qui ne font que du premium, vous n'avez pas de version gratuite de leur extension. Ils ont toujours cette politique d'avoir une extension payante pure et dure. Vous avez d'autres extensions. Alors, je prends un exemple All-in-One SEO dans mon secteur d'activité qui, elle, va avoir une version gratuite et qui va avoir une version payante. Donc là, vous allez avoir ici soit le petit label, la version payante directement, qui est ici. Alors, il faut savoir qu'ils sont toujours en promo. Mais vous pourriez aussi aller sur le site WordPress.org pour justement avoir la version gratuite. Donc, des extensions qui vivent de cet écosystème et qui arrivent à vendre leurs produits. Il en existe des dizaines, des dizaines et des dizaines dans tous les secteurs d'activité. Puis il y a des modèles économiques aussi très différents. Là-dessus d'ailleurs, comment dire, WordPress.org n'a jamais donné de comment dire, d'obligation sur votre modèle économique. Vous pouvez vendre des licences à l'année. Il y en a qui vendent des abonnements au mois. Il y en a qui sont passés directement en service SaaS. Il y en a qui font en fonction de l'utilisation. Ça va être l'exemple, par exemple, d'Imagify, ça va être pour de la compression d'image, qui va le faire plutôt sur le volume d'image que vous allez améliorer. Donc, c'est des choses, voilà, là-dessus, c'est des choix à faire. Là, pour le coup, c'est vraiment une notion plutôt marketing. Donc, c'est à vous de réfléchir si vous voulez vous lancer dans des extensions payantes, sous quelle forme vous voulez l'avoir. La seule chose, c'est que vous devrez quand même respecter les guidelines de WordPress. Puisque, en gros, si vous triturez la marque WordPress ou vous faites n'importe quoi, de la citation à la haine raciale ou des choses comme ça, par exemple, vous allez vous faire tomber dessus par l'ensemble de la communauté mondiale, ce que je ne vous souhaite pas, parce que ça va peut-être un moment agréable à passer. Mais là-dessus, en tout cas, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez tant que vous respectez à peu près les mêmes règles que les extensions gratuites sur WordPress.org. Et après, pour vendre, à vous d'utiliser la solution que vous voulez. Nous, sur Soki, par exemple, pour la version pro, on est passé par Easy Digital Downloads. Il y en a qui sont passés par WooCommerce. Je sais qu'il y a encore d'autres plateformes comme ça payantes, enfin d'autres plateformes qui e-commerce qui permettent de vendre des extensions. Et il y a encore d'autres extensions qui ont fait carrément du custom à 100%. Ils ont créé leur propre système de passage de commandes et de gestion de clés de licence et tout ce qui va avec. Donc là-dessus, après, il y a pas de souci. Mais il y a un truc qui est super important quand vous allez vendre. Et c'est là où c'est très subtil, enfin, si vous n'avez jamais fait attention à ce détail-là, il faut savoir que le code source de WordPress est sous licence GPL et que toutes les extensions et les thèmes qui en dépendent sont automatiquement sous la licence GPL en même temps. Ce qui veut dire que votre code, je développe par exemple SEOKI, quelqu'un prend mon code, le copie-colle, le renomme en une autre extension et le diffuse. Il a malheureusement théoriquement le droit de le faire au sens WordPress du terme, au sens GPL. C'est pour cette raison, si vous regardez bien, qu'aucune extension payante ne vous vend l'extension. Ils vous vendront toujours un an de support et un an de mise à jour. Mais en aucun cas, vous achetez le code et il vous appartient en tant que tel, puisqu'il est sous licence GPL et qu'il appartient à tout le monde. Donc le but du jeu, c'est que si vous faites une extension qui est payante, faut apporter une plus-value suffisante pour que les gens aient envie d'acheter parce que le code en soi, entre guillemets, ne vous appartient pas. C'est plutôt sur vos mises à jour et votre support que ça va jouer. Et c'est pour ça, d'ailleurs, de manière générale, hein, je ne parle même pas que des extensions WordPress, nous, tous les services qu'on peut utiliser au quotidien en tant qu'agence, bah, celles qui ont un support qui est hyper réactif, on va avoir tendance à aller vers eux. Si je prends un exemple, j'aime beaucoup le support de l'hébergeur O2Switch, par exemple, qui est quand même
sacrément réactif. Et ce qui fait que si je sais que demain j'ai une problématique technique sur mon hébergement, ben je vais avoir confiance dans tout leur système de support. Donc ça, c'est la notion GPL, mine de rien, c'est tout bête, hein, mais c'est des choses à garder en tête. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va passer sur une partie un peu plus technique. Je vais vous montrer un petit peu, nous, les outils. Je vais vous donner aussi plein de bonnes pratiques de code, etc. Et puis, vous aurez une autre partie vers la fin qui va un peu différente, dans laquelle je vous parlais un peu du UX et plutôt d'interface utilisateur. Et surtout, je finirai par tout ce qui est quels sont les problèmes que nous, on a rencontrés. Pour vous montrer vraiment aujourd'hui, que ce soit d'un point de vue technique ou marketing d'ailleurs, sur quoi on s'est, à quoi on s'est heurté, sur quoi on a buté et ainsi de suite. Donc revenons à l'étape suivante. Si demain je veux créer une extension WordPress, il me faut des outils. Alors moi je vais vous présenter ceux qu'on utilise nous, ça ne veut pas dire que c'est ceux que vous devez utiliser, mais je vais vous expliquer en tout cas pourquoi on les a mis en place et après pourquoi ça peut correspondre à vos besoins. D'abord, il vous faut un outil de code, purement et simplement. Alors personnellement, je suis très fan de PHP Storm. Il y en a aussi, je sais qu'il aime beaucoup un équivalent qui s'appelle VS Code. Bon, après, à la rigueur, peu importe. Mais il va vous falloir en tout cas un outil suffisamment costaud pour pouvoir coder de manière efficace. Si je dis ça, c'est qu'en fait, WordPress, quand vous allez vraiment coder, vous allez aller sur des développements un peu complexes, vous allez vous rendre compte déjà que dans vos propres fichiers, tout est lié. Les fonctions les unes avec les autres, etc. Et surtout, vous allez avoir besoin très vite d'aller taper dans le code source de WordPress lui-même, ou même des fois d'aller fouiller dans ceux des autres extensions qui existent pour aussi comprendre comment elles fonctionnent, voir aussi comment s'en inspirer. Hein. C'est aussi une chose toute bête, mais qui est très importante. Donc, nous, on aime beaucoup, beaucoup PHP Storm, qui effectivement est un logiciel payant. Pierre demande s'il y a un équivalent gratuit. Alors, malheureusement, je n'en connais pas. Nous, on utilisait beaucoup à l'époque Sublime Text en gratuit, mais vraiment pour aller plus loin, je ne crois pas que gratuit il y ait des équivalents. Parce que même VS Code, je ne suis pas sûr que ce soit gratuit avec toutes les fonctionnalités, il faudrait que je vérifie. Je me trompe peut-être, hein, parce que ça fait très très longtemps que je n'ai pas regardé. Il n'empêche qu'à la rigueur, peu importe l'outil que vous allez utiliser, mais en gros, moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir un outil déjà sur lequel vous êtes à l'aise. Moi, j'ai mis pas mal de temps à me former à cet outil-là, sachant qu'à la base, je n'étais pas développeur du tout. Et c'est surtout en fait qu'il y a des petites choses qui vont vous faire gagner du temps. Alors, juste pour vous montrer, nous, sur un petit PHP Storm, est-ce que je l'ai ouvert? Oui, j'ai bien fait ça. Sur un PHP Storm, donc ici, vous avez à gauche l'arborescence de ma petite extension. C'est surtout qu'en fait, il y a plein de choses qui vont être pratiques. Et notamment pour résumer le pourquoi du comment, j'aime bien cet outil-là. C'est que ça va gérer déjà, ça va me mettre des grosses alertes quand j'ai codé n'importe comment. Un oubli de point-virgule, une fonction où j'ai oublié des paramètres, voilà, pas mal de choses comme ça. Il y a le fait aussi de pouvoir chercher directement dans le code source de WordPress. Alors, le plus simple étant de vous montrer une fonction de WordPress de base. Par exemple, la fonction remove action, je me dis, tiens, j'aimerais bien voir comment elle fonctionne dans le code WordPress. Ben, j'appuie sur CTRL, je clique dessus. Et ça move le fichier du cœur de WordPress correspondant. Et donc, dans lequel je retrouve toute la documentation du cœur de WordPress qui va me dire exactement, tiens, la fonction remove action de WordPress, voilà tout ce que tu peux savoir là-dessus. Donc, quand vous commencez vraiment à le faire très souvent, c'est un gain de temps monstrueux. Alors, il y a un peu de prise en main, bien entendu, mais ça, c'est hyper pratique. La deuxième chose très pratique que j'aime bien, c'est que ça intègre une interface pour me permettre de gérer Git, tout simplement. Je pourrais le faire en ligne de commande, mais j'avoue que n'étant pas développeur à la base, ben voilà, j'aime bien les interfaces visuelles, je trouve ça plus pratique. Imaginons, je me dis ça, allez hop, c'est nul, tac, je l'enlève. Et vous voyez ici à gauche, il va détecter que j'ai modifié mon fichier et je pourrais très bien le pousser dans mon outil de versionnement, ça j'en reparlerai tout à l'heure. Et puis ici, je vais dire super changement pour SEO. J'appuierai sur le petit commit et après je ferai un petit push et j'aurai versionné cette modification. Bon, alors je vais éviter de casser mon site et mon extension quand même. On va revenir en arrière.
Mais voilà, ça c'est en tout cas des choses pratiques. L'autre chose aussi que j'aime beaucoup, c'est que vous pouvez automatiser des déploiements. Ça, je vais venir tout à l'heure quand je vais vous parler de tests. En fait, on a 5-6 serveurs de tests avec des configurations vraiment différentes, avec des typologies de contenu différentes. Et ce qui fait que là, en temps réel, au fur et à mesure que je change mes fichiers, ça envoie les fichiers en temps réel sur ces 4 ou 5 serveurs, ce qui me permet en fait de pouvoir tester immédiatement en conditions réelles tous les développements que j'ai pu faire. Et d'avoir des fameux messages d'erreur de WordPress qui me dit, Fautier, tu as connu une erreur critique. Ça, je vous en reparlerai, le mail que j'ai très souvent reçu ces mois derniers. Mais voilà, ça, c'est des choses très pratiques. Et bien entendu aussi, pour les voilà, quand vous commencez à toucher en développement, vous avez aussi tout simplement un terminal dans lequel, en ligne de commande, vous allez pouvoir faire Mumuse. Donc voilà, pour faire plein de choses. Par exemple, pour ceux qui codent en React, qui font un peu de Gutenberg, etc., vous allez pouvoir comme ça directement gérer certains de vos fichiers. Donc voilà, c'est un outil en tout cas que j'aime beaucoup. Un peu dur à prendre en main, surtout si on n'est pas développeur à la base de métier comme j'ai pu l'être. Mais ça vous permet en tout cas d'aller d'avancer, de progresser, de tester et surtout de chercher. Parce que j'y reviendrai tout à l'heure, mais vous n'imaginez pas, pour ceux qui n'ont jamais creusé, le nombre de fonctions et tout ce qu'il y a à l'intérieur du cœur de WordPress. On découvre des trucs, des fois des années après, en disant, ah, bah, cette fonction, elle existe. Ah, ben, bah, je ne savais pas. Et pourtant, vous aurez fait gagner un temps fou dans votre développement. Et d'ailleurs, ce n'est même pas que pour une création d'extension. Des fois, je ne sais pas, moi, pour ceux d'entre vous qui font de la création de sites pour des clients, on vous a demandé un truc, vous avez galéré à le mettre en place, vous avez cherché une extension, mais en fait, dans le cœur de WordPress, ça existe déjà, il y a juste un copier-coller à faire ou un appel à la fonction. Donc, ça permet de chercher dans le cœur de WordPress et c'est hyper, hyper pratique. Donc, ça, c'est un outil en tout cas qu'on utilise, nous, très souvent. Ensuite, dans les autres outils qu'on utilise, il y a, alors c'est pas un outil en tant que tel, mais c'est plus un principe de base, ayez. Surtout si vous voulez diffuser massivement votre extension, il y a différents serveurs de développement. C'est-à-dire que nous, là aujourd'hui, on a un WordPress multisite, on a un WordPress multilingue, on a un WordPress avec un WooCommerce, on a un tout petit site avec quasiment pas de contenu, on a un autre site avec plein de post-types, plein de taxonomies, et on a bourriné de contenu qu'on a généré à la volée. L'idée étant de, quand vous allez faire votre développement, c'est de pouvoir tester en fait. Vraiment, ça vous permet de tester plein de cas de figure et de vous dire, ben voilà, mon code, a priori, marche chez tout le monde, ou au contraire, ben non, ça ne marche pas encore. Donc, il va falloir, en tout cas, adapter tout ça. Donc, ça, c'est des choses qui vont être importantes à mettre en place. Au passage, il y a Local by Flywheel, que je trouve hyper, hyper intéressant. Pour ceux qui ne connaissent pas, Local by Flywheel, ça ressemble à ça. En gros, c'est un outil qui est un équivalent de WAMP, MAMP ou ce genre de choses, qui vous permet en fait de créer un serveur local pour créer un site en local et pouvoir faire vos tests. Juste pourquoi j'adore local, c'est parce qu'en fait, déjà, c'est vraiment centré sur WordPress. Et c'est surtout qu'en un clic, je peux créer un nouveau WordPress à la volée et avec une configuration sur mesure. Vous voyez ici, j'ai créé un test meetup. Donc, vous allez voir pour l'instant qu'il ne ressemble pas à grand-chose pour l'instant. Voilà. Avec le fameux article Hello World créé par défaut. Mais en fait, ce petit site, je l'ai créé en 1 minute top chrono. En gros, vous cliquez sur le petit plus en bas à gauche, vous dites je veux créer un nouveau site, vous lui donnez un petit nom, je l'appelle Coucou par exemple, voilà, magnifique. Vous pouvez lui dire sa configuration. Donc là, moi par défaut, je suis sur PHP 7.4, sur un serveur Nginx. Mais je pourrais très bien lui dire, ben non, moi je veux une vieille version de PHP, je veux un Apache et je veux telle version de MySQL. Et ça va non seulement vous créer le serveur, mais surtout, ça va vous faire toute l'installation de WordPress et le paramétrage de base de WordPress. C'est hyper pratique. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est que même un serveur déjà créé, par exemple, là, le test meetup que j'ai créé tout à l'heure, je pourrais très bien lui dire en temps réel, ben non, en fait, tu étais sur un Nginx, ben maintenant, tu es un Apache. Ou tu es un PHP 7.4, ben tiens, je vais vérifier une version d'avant. Maintenant, tu es un PHP 5.6. Donc, quand vous faites des tests, c'est hyper pratique. Voilà, c'est un outil, en tout cas, que je recommande. J'en profite pour répondre rapidement à la question de François sur la maintenance. Quel outil on utilise? En fait, on fait assez peu de maintenance à l'agence. On n'en a pas beaucoup, donc on n'utilise pas d'outils pour ça. À l'époque, on avait utilisé MindWP, qui était très bien. J'ai pu tester aussi récemment WP Umbrella aussi, qui honnêtement est franchement pas mal du tout et qui évolue en plus
qui évolue bien en plus de mois en mois. Donc, honnêtement, les deux sont des outils très bien pour faire de la maintenance de site. Surtout si vous avez des dizaines et des dizaines à suivre. Pour revenir à mes moutons, d'autres outils que vous pouvez utiliser. Alors, c'est des exemples. Hein. L'idée, c'est plus de le principe. D'abord, c'est qu'il va falloir une solution qui va vous permettre d'agréger tous les retours des utilisateurs. Donc, nous, pendant nos bêta-tests, ou là même aujourd'hui, pour nos clients, on utilise Help Scout, par exemple, qui va être une gestion de tickets, en fait, qui va permettre de récupérer les demandes au même endroit, de centraliser les réponses, d'être plusieurs à répondre. On a un système de tag, de dire est-ce que c'est en attente, est-ce que c'est traité, et ainsi de suite. Ça permet de gérer pas mal de choses. Ensuite, on utilise nous beaucoup Trello et Excel. Alors, ça peut être aussi sur Google Sheet, hein, en tout cas tout ce qui est tableur. Là, après, c'est vraiment une question de goût. Il y a des gens qui adorent Trello, il y a des gens qui détestent. À la rigueur, il vous faut un outil de gestion de planning, de gestion de tâches sur lequel vous êtes vous à l'aise quand vous allez développer votre extension. Parce qu'en fait, il vous faut garder les traces. Nous, par exemple, pour vous donner un des exemples, c'est qu'au fur et à mesure qu'on a développé ce qui, on s'est dit, tiens, c'est génial, il faudrait qu'on fasse ça. Ouais, mais là, on n'a pas le temps. Donc, on va se le noter en to-do pour plus tard. On a eu en même temps des retours d'utilisateurs qui nous disent, bah, ça, c'est bien. Ou alors, ça, on n'a pas compris. Ou alors, on dit, ah, tiens, ça, j'aime bien, mais est-ce qu'on pourrait faire ça avec? Donc, l'idée, c'est de centraliser, de prioriser. Donc, voilà, nous, pour de la gestion de projet, Trello, Excel marche très bien pour nous. Il y en a qui vont détester. À la rigueur, peu importe l'outil que vous utiliserez, mais ayez un outil qui vous permet de centraliser aussi au même endroit toutes vos to-do, vos idées, vos remarques. Voilà, il y a plein de choses. Effectivement, Victor dans le chat dit qu'il existe d'autres outils comme Jira et Notion. Voilà, c'est aussi des très bons outils, peu importe lequel vous allez utiliser, mais c'est des choses très bien. Et je termine en petit outil qui n'a rien à voir avec le dev aussi, mais qui est pratique. Qui s'appelle Revelit, c'est fait par notre ami Julio de Sécupress. Et en fait, je vous le dis juste parce qu'en fait, ça vous permet d'échanger des données avec des clients de manière sécurisée. Je vous montre, donc ça s'appelle Revelit. Je vous le mets hop, dans le chat. On voit le lien, me dit François. Et en fait, ce que j'aime bien avec Revelit, c'est qu'en fait, nous, par exemple, donc là, imaginons qu'un client ait une problématique. Nous, on n'arrive pas à avoir le même problème sur nos sites de test ou sur nos autres clients. Donc, on va dire, bah, tiens, on a besoin de vos accès WordPress. Sauf que tu es toujours, toujours une donnée sensible. On ne balance pas ses logins et mots de passe à n'importe qui, n'importe comment. Et là, le gros avantage, en fait, c'est qu'ils peuvent nous partager leur login et leur mot de passe. Et en fait, ils nous envoient le lien. Et en fait, à partir du moment où on ouvre le lien est détruit. C'est-à-dire que nous, en fait, on se sert pour se connecter une fois, pour faire nos tests et vérifier ce qui va ou ce qui ne va pas. Mais en tout cas, on ne garde aucune trace des données. Et ça, pareil, s'il nous donne un accès FTP. Voilà. Ça nous permet, nous, en tout cas, qu'une fois que c'est débuggé, vérifié, ou on a pu aider l'utilisateur, au moins, voilà, on a pu à garder les notions. Alors, si vous n'êtes pas développeur d'extension, que vous avez des clients en direct, c'est pas utile, parce que là, c'est votre client, vous allez garder ses logins et mots de passe tout le temps de votre prestation. Mais là, comme nous, c'est une connexion one shot, on leur dit, bah, donnez-nous un accès WordPress temporaire. Et donnez-nous via cette interface, comme ça en plus nous on n'en garde pas trace. Si le client oublie de supprimer cet accès, et ben, au moins nous on n'y a plus du tout, elle n'existe plus. Et on précise bien aux utilisateurs, ben, voilà, donnez-nous un accès temporaire parce que en aucun cas on peut garder l'accès à vos sites WordPress quand vous nous posez une question. En tout cas, c'est un très bon petit outil qu'on aime bien. Voilà. Vous me dites s'il y a des questions en tout cas. Pour répondre à ta question, François, non, ça ne crée pas le lien. Ça me permet juste de trans. En fait, c'est juste une interface pour me transmettre du texte. Donc, les gens peuvent me donner un accès à admin WordPress. Ils pourraient me transmettre des logs, ils pourraient me transmettre un accès FTP, etc. Peu importe, l'idée, voilà, c'est de juste transmettre une donnée sans en garder la trace. Ça, voilà, c'est plutôt pratique. Pour revenir à nos moutons, hop. Donc là, je vous parlais d'outils au sens large. Et avant de vous parler des problématiques qu'on a eues et des notions de UX, parce que ça, c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup, on va parler un peu de code pur et dur. Alors, le but du Meetup, hein, ce n'est pas du tout de vous apprendre à coder une extension. Il existe des dizaines, dizaines, dizaines de tutoriels, de vidéos, de livres qui vous expliquent le pourquoi du comment, sans compter les ressources officielles de WordPress.org. Donc, ce n'est pas du tout là. L'idée là, c'est plutôt les bonnes pratiques. Hop, je vais être vite. Juste les bonnes pratiques de code.
Si demain vous voulez créer une extension gratuite ou payante, les petits tips à toujours garder en tête pour partir sur l'abonnement. Excusez-moi. Donc voilà, l'idée c'est qu'est-ce que je fais en termes de code? Alors, le premier conseil, le plus important, celui que je ne peux que vous conseiller, c'est de versionner. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise ou qui ne savent pas ce que c'est, Git, c'est ni plus ni moins de dire on va versionner chaque modification de mon fichier. Je crée mon extension. Imaginons, elle est très simple, il n'y a qu'un seul fichier. C'est ma version 1. Demain, je fais un correctif ou j'ajoute une fonctionnalité. Ça va être ma version 1.1, par exemple. L'idée, voilà, c'est qu'on va versionner chacune de nos modifications. Et en fait, pourquoi c'est important? C'est que tout simplement, ça vous permet de garder l'historique de ce qui s'est passé, savoir qui a fait quoi. Quand vous êtes plusieurs développeurs, c'est pratique. Ça vous permet aussi de travailler à plusieurs en même temps sur les mêmes fichiers. On va créer ce qu'on appelle des branches qui vous permettent chacun de travailler sur une fonctionnalité ou une problématique et ensuite de fusionner tout ça. Mais Git, c'est hyper, hyper important. Après Git, c'est le principe. Vous pouvez après versionner sur votre propre serveur Git chez vous. Il existe après plein de services payants gratuits sur Internet qui vous permettent de pousser directement sur des dépôts en ligne. Vous avez GitHub, vous avez Bitbucket que nous on utilise, GitLab, voilà, il y en a plein, 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 plein. À la rigueur, peu importe lequel vous utilisez, tant que vous versionnez. On garde un historique de tout ce que vous faites, etc. Et puis pareil après pour versionner. Je ne rentre pas de comment on fait. Il y en a qui le font en ligne de commande. Moi, qui ne suis pas développeur à la base, je déteste faire ça en ligne de commande. J'aime bien avoir une jolie interface parce que je trouve ça beaucoup plus pratique à utiliser. Peu importe. Je vous conseille d'ailleurs, je ne l'ai peut-être pas précisé, un petit outil qui s'appelle GitHub Desktop. Alors, même si vous n'êtes pas sur GitHub, le temps que ça s'ouvre, qui ressemble à ça. Tac. Lequel, en fait, vous avez vos dépôts qui sont là. Ici, c'est s'il y a eu des changements. Et après, dans History, vous avez l'historique de tous vos modifications et de dire ce que vous avez pushé ou pas. Donc là, par exemple, j'avais fait un push qui s'appelle Fix Forms. Donc, c'est-à-dire que j'avais dû corriger à l'époque des formulaires. Et on peut voir la petite modification qui a été faite. Donc, c'est un côté très visuel que je trouve pratique. Après, là-dessus, peu importe ce que vous préférez, que ce soit visuel ou pas visuel. Le principe de base, c'est juste on versionne, on versionne, on versionne, on versionne. C'est hyper, hyper utile. Au-delà de ça, mon deuxième conseil, c'est de se faire aider. Alors, surtout en fonction de d'où vous venez. Parce qu'aujourd'hui, dans les développeurs WordPress qui existent sur le marché, il y a, alors, ce n'est pas péjoratif du tout, mais il y a de tout et n'importe quoi. Moi, le premier. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment issus de formations de dev pure PHP. Qu'on fait 5 ans d'école, qu'on fait, je sais pas moi, par exemple, Epitech, ce genre de choses, donc qui ont bouffé du code, qui ont bouffé des langages, qui ont bouffé des frameworks, des librairies, etc., etc. Donc, des gens qui touchent et des gens comme moi. Juste pour la petite anecdote, moi, à la base, j'ai fait langue étrangère appliquée. Donc, j'ai fait LEA, donc je traduisais, je faisais de l'anglais, de l'espagnol, voilà, etc. Donc, très loin du code. Il y a beaucoup de gens, certains d'entre vous d'ailleurs, dans les spectateurs, qui en fait se sont mis au code un peu comme ça, en disant tiens, c'est la marron, on va tester, et puis on apprend au fur et à mesure. Et donc, forcément, bah, comme on apprend comme ça un peu sur le tas, bah, il y a des fois des petites choses qui nous manquent. Et moi, le meilleur conseil que je peux vous donner, comment on crée une extension, même si vous pensez être un expert au développement, faites-vous aider. En tout cas, entrez dans la communauté et discutez avec les autres, parce qu'en fait, personne n'a la science infuse sur différentes façons de coder, etc. Et vous allez voir qu'en fait, il y a des gens où tout d'un coup, ils vont juste, soit ils ont une meilleure expertise, ils vont vous donner la solution, ou en tout cas une piste. Et en même temps, il y a des gens où c'est juste qu'ils ont une approche différente. Ils ne sont pas plus compétents que vous, mais ils vont voir les choses de façon différente et vont dire, mais tiens, tu pourrais faire comme ça. Et là, vous dites, mais en fait, je suis trop débile et j'aurais dû faire comme ça. Et notamment, donc, la communauté, comme le dit François dans le chat, il y a le Slack de WordPress.fr dans lequel il y a une communauté qui est géniale. Je peux vous montrer. Il y a le site de l'association WPFR aussi qui est très bien avec un forum.
Il y a aussi sur Twitter, tout simplement. Il y a beaucoup de gens qui répondent, etc. Donc, il y a une vraie communauté qui est hyper intéressante. Et là, je vous montrais, vous voyez, hop, ici. Tadam! Ça, c'est le Slack WordPress.fr. C'est un Slack parmi d'autres, il y en a plein. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'échanger. Vous avez là, dans le channel événement, je vais aller dans le channel veille. Et voilà, dans le channel veille, il y a plein de gens qui vont partager, en fait, des tutos, des astuces, etc. Donc là, c'est en mode partage pur et dur. Mais surtout, moi, ce que j'adore, je vais prendre un exemple, je vais aller dans développement Gutenberg. En fait, c'est juste qu'il y a des gens, ils vont dire, bah, tiens, il y a ça, je ne comprends pas. Surtout si vous êtes freelance, c'est encore plus vrai. Et vous allez poser votre question. En fait. Là, par exemple, je prends l'exemple de Loïc, qui pose une question liée au développement de blocs Gutenberg et de savoir comment marche la recherche native de WordPress par rapport à ces blocs. Et ben, en fait, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, si vous êtes poli, que vous dites bonjour et que vous posez gentiment votre question, sauf si les gens n'ont pas la réponse ou sont pas dispo, mais en fait, il y a plein de gens qui vont vous aider. Et moi, je remercie Professeur Honky en tout cas, parce que plein de personnes nous ont aidés comme ça, parce qu'en fait, on a posé la question. Et en fait, il y a des gens qui nous ont aidés. En fait, pas forcément qu'ils nous ont donné le code en tant que tel, mais en tout cas, qu'ils nous ont donné la piste pour pouvoir avancer. Et honnêtement, à part deux, trois fois où il peut y avoir des petits clashs comme dans n'importe quelle communauté, on est dans la communauté WordPress, une communauté qui est assez ouverte et qui, voilà, qui est prête à échanger. Donc voilà. Donc, il y a justement quelqu'un là qui fait coucou la visio. Donc ceux qui ne suivent pas le live vont se poser la question de pourquoi il a répondu ça dans ce channel Gutenberg Dev. Bon, ça va faire rire les gens, mais en tout cas, c'est une communauté qui est top. Juste pour vous inscrire, alors je ne vais pas vous dire de bêtises, de mémoire, WordPress.fr Slack, il y a un lien sur le site de l'association. Il y a aussi sur Captain WP, très bon site d'ailleurs aussi. Je croyais que c'était sur WPFR, WordPress.fr Slack, rejoindre. Il y avait un lien. Il y a WPFR Slack, parfait. Marie qui a mis le lien, donc. Vraiment une super communauté. Moi, je vous conseille très fortement d'y être parce que quand vous avez besoin d'aide, il y a des gens. Et puis vous-même, si un jour vous passez par là et que vous avez quelqu'un qui pose une question, répondez-y. Ça vous prend 2 minutes, mais vous aurez aidé quelqu'un. Et c'est comme ça qu'on monte en compétence. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je monte en compétence depuis des années sur WordPress. C'est en fait, des fois, en posant des questions, puis en essayant moi-même d'aider les gens. Et puis, c'est comme ça qu'on arrive à tout ça progresser. Pour revenir aussi à des notions de code et des choses importantes, n'hésitez pas à faire aussi appel à des prestataires spécialisés. C'est-à-dire que c'est bien de s'aider à la communauté, mais à un moment donné, on ne va pas vous bâcher le travail gratuitement, surtout si vous voulez vendre une extension premium. Nous, je sais qu'à l'agence, on a fait appel à plusieurs prestataires sur des besoins spécifiques. On a fait par exemple appel à Julio Potier pour un audit de sécurité et de performance de SEOKI. On a pu faire appel à Vincent Dubreuil, par exemple, pour un développement Gutenberg. Voilà, il ne faut pas hésiter. Alors, il faut avoir un petit peu de budget, bien entendu. Mais il y a des gens qui sont très compétents dans leur domaine et des fois, ça ne sert à rien de vouloir essayer de faire ce qu'eux auraient pu faire. Et bien sûr, ne pas réinventer. Pas réinventer, c'est aussi à vous, là j'insiste beaucoup, à remercier la communauté. Je vous donne un exemple. Nous, il y avait un truc qu'on n'arrivait pas à faire du tout sur SEOKI, c'était sur de la réécriture d'URL. Il y avait vraiment un truc sur lequel on butait. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'il y a une extension qui est connue, qui s'appelle WP Rewrite Rules, en fait, qui avait pile poil le bout de code qu'on voulait. Donc, on leur a envoyé un message pour savoir si on pouvait utiliser leur code et les remercier d'avance. On n'a pas eu de réponse, malheureusement. Et puis, dans le petit bout de code qu'on a utilisé, surtout, on a remis en fait tout simplement la source on ne va pas dire qu'on a volé le code. Sachant, pour rappel, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, le code WordPress HGPL. D'un point de vue légal, théoriquement, vous pourriez prendre des bouts de code de toutes les extensions gratuites du repo, vous avez le droit de le faire. Il n'empêche que ça reste une communauté, il y a des gens qui ont y passé du temps, et la moindre des choses, c'est de justement voilà, d'échanger avec eux et de les remercier, de rendre à César ce qu'il y a à César, même si on est dans un monde open source, c'est toujours bien de remercier les gens qui ont mis la main à la pâte. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ça parce que c'est vraiment des choses qui vont être importantes. Donc ça, c'est des choses qui vont être cool. Maintenant, je vais rentrer un tout petit peu plus dans des notions techniques. On va parler de debug. Pourquoi? Parce que, en fait,
La pire chose à faire quand vous faites du code, c'est de vous focaliser sur votre interface. Vous allez vous dire, tiens, mon interface, ah bah oui, c'est bon, ça marche, je passe à autre chose. D'abord, vous devez tester sur plein, plein, plein de sites différents. Mais au-delà de ça, vous devez surtout vérifier ce que fait WordPress en tâche de fond. Je m'explique. Quand vous chargez une page WordPress, vous allez avoir éventuellement des erreurs PHP dans votre code qui vont apparaître, mais c'est le code PHP des fonctions qui s'exécutent sur la page que vous avez exécutée. Peut-être que pour une raison X ou Y, votre code derrière a provoqué plein d'erreurs partout. Vous devez, je pense que beaucoup d'entre vous, en tout cas ceux qui sont développeurs, vous le savez, activer le debug. Donc vous avez un petit fichier qui s'appelle wp-config. Vous verrez, il y a plein de tutos pour apprendre à faire ça. On rajoute quelques lignes, on active le debug. Moi, je vous conseille d'activer le debug de manière globale. Donc, il y a des constantes qui s'appellent wp-debug, wp-debug-display et wp-debug-log. Vous activez les trois, vous les mettez à trou pour avoir un maximum d'informations. La deuxième chose que nous, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup utilisé, c'est d'avoir ses propres fonctions de debug. Bah tiens, François qui justement vous donne un exemple des petites constantes qui vont bien à ajouter à votre fichier de config. Donc ça permet en tout cas d'activer votre debug, mais malheureusement, ce n'est pas suffisant. Parce que dans certains cas, comme je vous dis, c'est des erreurs qui vont être en tâche de fond. Typiquement, vous ne verrez pas forcément les erreurs liées dans vos requêtes AJAX, dans vos crons, dans ce genre de choses. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter des éléments de debug. D'abord, on peut développer ses propres fonctions de debug. Alors, je vais faire une démo. Je vais aller sur un de mes pauvres sites de test tout pourri. Attention, je vais vous envoyer du rêve. Ça, c'est un des sites qu'on utilise pour développer les SEOKI, dans lequel c'est un site. On a fait juste n'importe quoi. On a fait les pires contenus du monde avec le pire paramétrage. Et en fait, dans SEOKit, on a créé nos propres fonctions de debug pour justement pouvoir plus facilement faire ressortir des informations. Je vous montre à quoi ça ressemble. Tac. Tadadam. On a un petit fichier qui s'appelle Helper Dev avec nos fonctions de debug. Et en fait, on a écrit une autre propre fonction qui nous permet d'écrire dans les logs. C'est-à-dire que si vous activez le debug de WordPress native, il va vous écrire que les erreurs. Et des fois, ce que vous voulez avoir, c'est juste le détail des informations. À ce stade-là, dans mon petit bout de code, je veux savoir ce que tu es en train de faire. Prenons un exemple. Imaginons qu'au chargement de WordPress, pouf, pouf, je vais mettre là. Hop, ah! Et là, forcément, ça rame. Ah, bon, moi, je vais vous montrer qu'en PHP Storm. Voudra bien réagir, hein, vous me trouverez tout à l'heure. En gros, cette petite fonction me permet d'écrire, de forcer l'écriture dans le log, pas seulement mes erreurs, mais par exemple, je me dis, bah tiens, ma fonction, elle attend un paramètre, mais je n'arrive pas à savoir si le paramètre est bien passé. Bah, je vais faire ma petite fonction d'écriture dans le log. Tiens, à ce moment-là, WordPress, il a instancié un objet ou un tableau, mais je ne sais pas à quoi il ressemble. Et bah, je vais écrire ma propre fonction de log, comme ça, je vais écrire dans mes logs, comme ça, je vais voir à quoi ça ressemble. Et ça va fonctionner correctement. De la même façon, on a une autre fonction, nous, qui nous permet aussi de faire un var dump, mais un var dump lisible. Parce que quand vous faites un var dump, des fois, en PHP, c'est un peu brut de décoffrage quand vous voulez le lire. Bah, nous, on a une petite fonction qui s'appelle Pretty Print, qui nous permet d'afficher un var dump, mais beaucoup plus lisible. Ce qui fait que le développeur, quand il veut débugger, en fait, il va trouver l'information beaucoup plus rapidement. Donc, si PHP Storm, parce qu'il bug un petit peu depuis quelques jours sur mon PC, veut bien réagir, je vous ferai une démo de ça. Mais c'est important. On pose la question de ce que c'est qu'un var dump. Vais vous montrer ce que vous allez forcément avoir dans Google Images, plein d'exemples. Un var dump, c'est, je ne sais pas moi, vous avez une fonction ou des données, peu importe, des variables, des tableaux, des objets, peu importe en PHP, et vous voulez voir à quoi ça ressemble, vous faites un var dump. Et en fait, sur votre écran, quand vous allez afficher, ça va ressembler à ça. Donc ça, c'est un exemple moche de var dump. Mais ça, par exemple, à un moment donné, il avait voilà, un objet, un tableau qui contenait un objet, et il a voulu voir à quoi ça ressemblait. Il a fait un var dump de son code, et ça a affiché ça. Donc là, par exemple, je ne sais pas moi s'il avait besoin de savoir si son Starfighter, voir quelle était la puissance de son arme, et bah, il va le trouver comme ça, il verra que le weapon power, il est égal à 5. Voilà, c'est juste les développeurs qui vont avoir besoin d'avoir ça. Et sauf que des fois, les var dumps, ce n'est pas très lisible. Donc, on a créé en tout cas nos propres extensions, nos propres fonctions qui peuvent permettre de faire ça.
Bon, malheureusement, il ne veut pas le montrer, donc on y reviendra plus tard si ça marche. Et enfin, ce que je vous disais, c'est dans ce que je vous mettais par exemple dans la slide, ayez aussi des extensions de debug. Nous, on aime beaucoup Query Monitor. Query Monitor, en fait, ça va vous permettre. Oula, je vais trop vite. Revenons en arrière. Query Monitor, c'est une extension de WordPress que vous installez et que vous activez, que je vous montre aussi, qui ressemble à ça. Vous voyez ici, là, où j'ai des chiffres. Ces chiffres-là, ça correspond à des requêtes SQL qui ont été faites dans la page. À la rigueur, ça, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est tout le reste. En fait, Query Monitor, c'est une boîte à outils qui va vous permettre de débugger un nombre incalculable d'aspects de WordPress. Donc, en fonction de ce que vous allez développer, vous allez pouvoir récupérer des informations correspondantes. Imaginons, j'ai une problématique de traduction. Je n'arrive pas à traduire un texte. Moi, développeur, je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à le traduire. Ben, je vais avoir un menu ici qui s'appelle Languages, dans lequel je vais avoir le détail de tous les fichiers de traduction qui existent dans la page, ou pas d'ailleurs, et qui va me permettre de débugger. De la même façon, je veux débugger les fichiers qui sont utilisés par le thème. J'aurai un nouveau menu qui va s'appeler Template. Imaginons qu'après, vous vous dites, bah tiens, moi, j'ai besoin de. Comment dire? J'ai besoin de débugger le serveur. Donc, je vais avoir aussi là, ici, un élément qui s'appelle Environment. Donc, ça me permet comme ça de récupérer beaucoup, beaucoup d'informations. Alors, je vais être honnête, quand vous êtes développeur débutant sur WordPress, c'est un peu imbuvable Query Monitor pour savoir tout ça. Et dès qu'on commence à toucher, en fait, on va savoir où aller chercher l'information, on va récupérer des informations qui sont utiles. Donc, pour répondre à ta question, François, oui, on a les informations de WordPress qui sont ici, les informations du serveur, de la base de données ou de PHP. Mais je vais avoir aussi le détail de tous les hooks actuellement utilisés et actifs sur la page que je vois ici. Le détail de toutes les feuilles de style, de tous les scripts, de tous les blocs Gutenberg, de la requête qui est faite en base de données, de toutes les requêtes SQL, de tous les appels HTTP, des droits d'utilisateur ou pas. Enfin voilà, ça permet d'avoir beaucoup de choses. Honnêtement, enfin, moi en tout cas, à titre personnel, je ne peux plus me passer de Query Monitor quand je fais un développement. Et à vrai dire, quand je commence un développement, que ce soit pour une extension, mais d'ailleurs même pour un client, j'installe Query Monitor. Point barre. Et après, vous pouvez l'enlever. On peut le laisser en production. Alors après, c'est un petit peu gourmand, donc en production, on vaut mieux l'enlever, mais c'est hyper pratique. Et surtout, moi, ce que j'aime bien de Query Monitor, c'est que ça vous affiche visuellement si vous avez un problème. Là, ça va. Normalement, sur SEMX, je vais avoir une alerte de mémoire parce que j'ai une extension qui me met un warning PHP. Je vais vérifier. Même pas, je l'ai plus. Enfin, je trouve un exemple où ça casse. En fait, si jamais le Query Monitor, les petits chiffres qui sont là se colorent, ça devient orange, rouge, c'est qu'il y a une erreur PHP quelque part. Et donc, ça vous permet visuellement tout de suite de vous dire, bah, tiens, là, j'ai un bug. Alors, c'est peut-être pas mon code, hein, c'est peut-être une autre extension ou un thème, mais voilà, c'est très visuel. Vous savez que vous avez un petit problème quelque part, et en plus, ça va vous afficher plus ou moins de détails sur cette erreur PHP. Donc, Query Monitor, c'est un bijou. Ce qui m'amène à. Hop là, j'ai coupé la vidéo, excusez-moi, un clic trop rapide. Hop là, voilà, ça marchera mieux. À d'autres extensions qu'on aime bien en développement, alors je ne les ai pas mis dans ma slide, mais je vais vous les montrer rapidement. Je vais retourner sur mon site tout pourri, qui est ici. Voilà. Le temps que ça se connecte, je vous montre juste quelques extensions qu'on aime bien sur pour le debug. Alors là, j'ai beaucoup d'extensions de référencement forcément parce qu'on faisait du debug. Il y a celle-ci, donc il y a JSM Short Term Metadata. Je vais vous mettre dans le chat. Vous avez la même chose avec le User Metadata. Et ensuite, vous avez le Post Metadata. Alors, celui-là, c'est d'un autre développeur, mais c'est la même chose. Je vous explique juste ce que c'est ces trois extensions. C'est des extensions que pour les développeurs qui vous permettent, dans l'admin de WordPress, d'afficher directement toutes les méta associées au contenu que vous êtes en train de modifier. Alors, je vous montre, parce que ça va être parlant. Sur ce site tout pourri, je vais aller modifier mon utilisateur. Et tout en bas, vous voyez ici, je peux savoir toutes les méta associées à cet utilisateur dans la base de données de mon WordPress. Donc, si pour une raison X ou Y, je m'étais dit, tiens, je fais un développement dans lequel j'ajoute des user meta ou des post meta ou des termes meta, mais je veux voir si elle s'est bien enregistrée et si elle est facilement accessible,
je vais avoir le détail dans la mine. Et pour ceux d'entre vous qui utilisent l'extension notamment ACF, ça permet vraiment, vraiment de pouvoir aller plus loin. Ah oui, non, effectivement, vous ne voyez pas mes liens. Pardon, excusez-moi. Tac, je recommence. Ces extensions-là. C'est-à-dire que vous n'avez pas vu mes liens plus haut. C'est moche. Vous avez partagé quoi déjà? Vous avez partagé Revilite. Je vous le remets, mais effectivement, c'est de ma faute. Hop là. Et donc, pour répondre à ta question, François, oui, ce plugin a un accès illimité à la BDD. Il faut savoir que toutes les extensions, en fait, ont un accès illimité à la BDD. Une fois qu'ils sont installés et activés, ils peuvent aller taper dans la base de données comme ils veulent. C'est le fonctionnement même du code de WordPress. Ils ont accès à toutes les fonctions de WordPress. Et là, l'avantage, c'est que c'est juste de l'affichage. Mais alors non, on ne peut pas éditer. Pour répondre à tes questions, je ne peux pas cliquer dessus. Mais moi, ça me permet juste de débugger. C'est juste me dire, bah tiens, imaginons, j'ai moi, en tant que développeur, j'ai créé une méta qui s'appelle WP YARP SO Opt-in. Mais tout à coup, je ne comprends pas en front office, je n'arrive pas à l'afficher. Bah, je vais voir déjà en base de données à quoi ça ressemble. Et là, je n'ai pas besoin de rentrer dans PHP MyAdmin. J'ai l'info, elle est là. Donc, c'est hyper pratique. Ça, voilà, c'est une extension qu'on utilise très souvent dans nos développements. Dans les autres qui me plaisent, poum, 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 pour le développement, Snitch est très bien. Alors, je vais la réactiver comme ça, vous allez voir. J'aime beaucoup User Switching aussi. Alors, je voulais mettre. Alors, je voulais faire une démo, mais je voulais noter déjà. Il y a Snitch. Vous avez User Switching qui est ici. Tac. WP Control qui est déjà actif, qui est là, que je vais pouvoir aussi vous montrer. Et il y en a une autre, où est-ce qu'elle est, sur les Rewrite Rules. Il faudrait que je vous la retrouve, à moins que je l'ai désinstallée temporairement. Blablabla, j'ai dû la désinstaller. Alors, je vais aller la réinstaller vite fait. Au passage, je vous donne le petit pseudo qui va bien. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez, qui ne connaissent pas l'astuce, quand vous installez une extension, vous avez un onglet qui s'appelle Favoris. Si vous avez un profil WordPress.org et que vous êtes connecté à WordPress.org, vous avez des petits cœurs pour les extensions, vous pouvez les mettre en favori. Et ce qui fait qu'à n'importe quel moment, c'est public. Dans un back-office, vous allez taper votre pseudo et ça va vous donner toutes vos extensions. Donc là, moi, par exemple, je tape SEOMix Dev et j'ai toutes les extensions du profil SEOMix Dev de WordPress.org. Et donc, l'extension, moi, qui m'intéressait, que je vous la retrouve, c'est. Ah, bah, elle était déjà installée, en fait. Rewrite Rules Inspector. Pour vous montrer rapidement, ces extensions, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est des choses toutes bêtes. Alors, pour répondre à ta question, François, j'en avais parlé au tout début. Oui, il y aura une version gratuite de SEO Key. Elle devrait arriver d'ici une dizaine de jours. Pour revenir rapidement à mes extensions utiles. Vous avez donc Rewrite Rules Inspector qui elle vous permet de débugger toutes les règles de réécriture de WordPress. Donc, si vous aimez bien jouer avec des règles de réécriture custom ou alors pour comprendre pourquoi celle de WordPress ne marche plus, cette extension est plutôt pratique. Dans le même genre, vous avez celle qui s'appelle WP Control, pardon, qui elle va vous lister toutes les tâches cron de votre WordPress. Donc, si dans vos développements, pareil, vous débuguez ce genre de choses, c'est hyper pratique. Et enfin, dans les deux autres que j'aime bien, vous avez Snitch. Alors, Snitch, c'est là où ça peut faire peur. Snitch, c'est une extension qui va enregistrer tous les appels de WordPress à des API externes. Par exemple, ici, on peut voir que, ici, mon extension SEOKey Pro a fait des appels à l'API de Google. Mais on peut voir aussi que WP Control a fait aussi un appel cron. Et puis si je descends, je vais avoir le cœur de WordPress qui, lui, a fait aussi ses propres appels d'API. Donc si je veux débugger des appels d'API, c'est hyper pratique pour savoir tout ce qui se passe derrière. Et enfin, la dernière, User Switching, qui elle est un petit bijou, ça permet de dire, bah, tiens, cet utilisateur-là, là, bidon, j'aimerais bien voir lui ce qu'il voit dans l'admin de WordPress. Je voudrais me connecter en tant que lui, sans pour autant avoir son mot de passe, etc.
Et bien avec cette extension, je clique sur Switch to. Et là, je suis connecté en tant que cet utilisateur. Et je vais voir exactement ce qu'il voit dans l'admin de WordPress ou ce qu'il voit sur le front office. Donc, c'est des choses plutôt pratiques pour débugger. Donc, voilà. C'est assez sympa. En tout cas, c'est toute cette série. Après, si on devait en retenir qu'une, Query Monitor reste de loin la plus utile et la plus pratique. Donc, ça, c'était pour mon debug. Je partais du principe que vous l'avez mis en place. Et maintenant, je vais venir juste sur des bonnes pratiques de code. Alors, sans rentrer dans le détail, mais juste moi, les grands principes de base qu'on a essayé d'appliquer tant bien que mal dans SOK. La première, ce n'est pas du tout un conseil spécifique à WordPress, c'est si vous êtes développeur sur n'importe quel techno, vous devez impérativement commenter. Commentez votre code, commentez-le, commentez-le, commentez-le. Expliquez tout ce que vous faites, même si des fois, ça vous paraît débile. Plus vous commenterez tout le code que vous avez fait, plus il sera facile pour les autres développeurs de comprendre ce que vous avez fait. Mieux encore, ça vous aidera à comprendre ce que vous-même avez fait il y a quelques mois. Nous, et Soki, pour donner un peu d'historique, j'ai commencé vraiment à coder dessus en septembre, je dirais, ou octobre dernier. Et ben en fait, les bouts de code que j'ai fait en septembre, octobre, quand je reviens dessus aujourd'hui, ben, ça fait des mois. Donc, me remettre dessus et me dire, voilà, attends, qu'est-ce que j'ai voulu faire à l'époque? Ben, plus vous commentez, mieux c'est. Le mieux étant que je vous monte. Alors, je ne sais pas si mon PHP Storm a décidé de revenir. Oui, il a décidé de revenir. Mais par exemple, ici, même si le nom des fichiers paraissait logique, ben, vous voyez, j'ai commenté chacune des lignes pour dire voilà, le fichier là que je vais appeler, que je vais faire un require de ce fichier-là, à quoi est-ce qu'il sert? Et on va essayer de faire ça, nous, pour la quasi-totalité de nos fonctions. Alors, pour être tout basique, mais de dire, bah, tiens, en fait, vous voyez, là, j'ai une fonction, elle fait trois lignes, et ben j'ai allez, quasiment une dizaine de lignes de commentaires. J'ai plus de commentaires que de fonctions internes elles-mêmes. Mais il n'empêche que quand je vais revenir dessus, je vais pouvoir beaucoup plus facilement comprendre ce que j'ai voulu faire à l'époque et pouvoir débugger beaucoup plus facilement. Ça, c'est un conseil très, très, très classique. Le deuxième conseil, alors celui-là, pour le coup, je ne le vois pas souvent passer. Et pourtant, il est hyper pratique dès que vous êtes sur des développements complexes. Alors, si vous faites une extension basique avec deux, trois fichiers, oubliez tout de suite le conseil que je vais vous donner, ça ne vous servira à rien. Mais dès lors que vous commencez à avoir une arborescence de fichiers assez importante, si vous regardez là à gauche, le nombre de petits fichiers que je vais avoir pour pouvoir gérer, vous voyez ici l'ensemble des SOK. Mais en fait, c'est un peu le bazar, je ne sais plus où je m'y retrouve. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, quand on appelle un fichier, alors je repars du fichier de base, c'est mon petit fichier SOK, voilà, classique. Ce fichier va en appeler un autre. Donc, par exemple, le fichier principal des SOK va appeler un fichier qui s'appelle public module, qui va être la liste de mes modules publics. Mais en fait, dans chaque nouveau fichier appelé, tout en haut, on a remis une information sur ce fichier. On lui a dit, bah, ce fichier-là, qui s'appelle public module, il a été chargé depuis telle fonction. C'est telle fonction qui l'a chargé, et surtout depuis tel hook. Donc, c'est de se dire, bah, tiens, en fait, je sais que tout ce que je vais mettre après là, c'est chargé sur plugin login. Pour ceux qui ont déjà fait Mumuse avec les hooks, ça me permet de savoir que les fonctions que je vais mettre en dessous, si je veux me greffer avant plugin loaded, ça ne marchera pas. Mon fichier est déjà chargé après ça, donc de toute manière, je peux faire ce que je veux dedans, je ne pourrais pas exécuter les fonctions avant plugin loaded. Donc c'est un truc tout bête, mais il n'y a rien de pire. Je sais que ça arrive à tous les développeurs, mais c'est quand vous vous acharnez sur un développement pendant des heures et qu'en fait, vous vous rendez compte que vous n'êtes juste pas au bon endroit, pas dans le bon fichier, ou pas au bon moment quand vous voulez l'activer. Et en fait, vous avez juste perdu du temps. Je suis sûr que c'est déjà arrivé à certains d'entre vous là dans le chat. C'est les déboires. Donc, nous, voilà, on rajoute ça en plus, mais ça permet au moins de savoir un petit peu où on est et en tout cas, ce fichier, quand est-ce qu'il est appelé. Juste avant de continuer, je réponds vite fait à la question de John. Qui pose la question, est-ce qu'on pourra revoir la vidéo? Oui, vous avez dû voir normalement, elle est enregistrée en temps réel. Donc, en fait, dès que la conférence sera finie, il faudra juste que je la mette sur la chaîne YouTube du Meetup WordPress de Nantes. Donc, ceux d'entre vous où vous avez loupé le début, il n'y a pas de souci, vous pourrez y assister sans aucun problème. Pour
pour revenir à ce que je vous disais, je vais essayer de faire vite, parce que ça fait déjà 1h20 que je blablate et j'ai encore plein de trucs à vous dire, donc je ne vais peut-être pas vous garder toute la nuit. Je vais essayer d'accélérer un peu. Dans les petits conseils, il y a tout simplement de correctement ranger ses fichiers. Alors, ça, je vous lis, il n'y a pas de bon rangement. Voilà, y a pas, comme les chasseurs, il n'y a pas un bon rangeur et un mauvais rangeur. Mais l'idée, c'est que quand vous allez créer vos fonctionnalités, surtout sur des extensions lourdes avec beaucoup, beaucoup de fichiers, essayez d'anticiper l'arborescence de tous vos fichiers. De manière à ce que si demain, vous filiez le code à quelqu'un d'autre, je donne le code à un autre développeur, est-ce que ce développeur va être capable à peu près de s'y retrouver rapidement? Si par exemple demain, un nouveau développeur arrive sur SEOKit, je lui dis, bah, tiens, il faut que tu répares telle fonctionnalité ou alors que tu ajoutes telle fonctionnalité, bah, si j'ai bien rangé mes fichiers, bah, théoriquement, il est censé s'y retrouver assez rapidement. Alors nous, par exemple, alors c'est des choix, hein, je ne dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire, mais nous, par exemple, on a eu une réflexion, au lieu de se dire en termes de classe, de librairie, de choses comme ça, on a plutôt fait ça en termes d'endroit où ça va s'afficher. Par exemple, on a un dossier admin pour tout ce qui va s'exécuter que dans l'admin. On a un dossier public pour tout ce qui ne s'exécutera qu'en front office. Common pour ce qui s'exécutera en front et en back office. Et puis après, dans admin, il y a les choses qui correspondent à l'admin en elle-même. Vous voyez, pour tous les menus, pour toutes les pages, il y a les API parce qu'on a créé nos propres API dans SEOKit. Les assets, donc tout ce qui est images, JavaScript, etc. Puis ensuite, des modules. Si le module est simple, un seul fichier. Si le module est complexe, un dossier spécifique pour ce module avec une arborescence dans ce dossier, etc. etc., etc. L'idée juste là-dessus, c'est essayer de réfléchir et mettez-vous à la place d'un autre développeur. Est-ce que la façon dont j'ai géré l'arborescence de mes fichiers, de mes dossiers, est-ce qu'elle est logique si je la donne à quelqu'un? Nous, par exemple, dans SOKI, on a regardé hein, ce qu'ont fait les autres extensions. Certaines sont bien faites en termes d'arborescence. Autant d'autres, avant de comprendre comment ils ont rangé leur truc, c'est la croix et la bannière, et vous allez mettre des heures avant de comprendre leur logique. Donc, après, là-dessus, c'est important. Toujours dans les conseils aussi, préfixez vos fonctions. Alors ça, au-delà du fait que ça permet de ranger correctement les choses, c'est surtout que ça va vous éviter plein d'erreurs fatales. Parce que si vous mettez un nom de fonction qui... des noms. Alors, si tu veux des noms des extensions dont j'ai parlé, hein, il faut regarder les extensions connues du marché en SEO et voir toutes celles qui ont fait un peu n'importe quoi. Bon, je troll, hein. Nous aussi, on a encore des choses à améliorer. Pour revenir au conseil, donc préfixer, c'est une chose toute bête, mais c'est toutes vos fonctions doivent avoir un préfixe. Vous voyez ici, par exemple, je suis sur. On a créé une fonction qui s'appelle SEO Key Login NoFollow. Et le préfixe est SEO key underscore, ce qui me permet de ne pas avoir de conflit de dommages et donc de ne pas déclencher d'erreurs fatales dans mes développements. Ça, c'est vraiment une règle de base. Vous le verrez dans tous les guides et les tutos qui vous disent comment créer l'extension. Ayez votre propre préfixe. Et d'ailleurs, c'est valable aussi, même si vous ne faites pas d'extension. Demain, vous créez un thème pour un client, vous créez vos propres fonctions dans votre thème, ayez un préfixe. Sinon, vous risquez d'avoir des conflits de fonctions, etc. Enfin bref, ce sera le bazar. Et enfin, c'est utiliser le bon hook. Parce qu'en fait, pour une même fonctionnalité, je pourrais me greffer à 50 endroits différents dans WordPress. Et les 50 endroits, ça pourrait marcher. Le problème, c'est qu'il y en a des endroits qui ne sont pas performants, d'autres pas sécurisés, et ainsi de suite. Donc le but du jeu, c'est qu'à chaque fois que vous aurez une problématique, j'ai besoin de développer telle fonction. Bah, c'est à vous de fouiller. Malheureusement, là, il n'y a pas de méthode parfaite. L'autre conseil aussi, c'est de regarder comment font les concurrents. C'est tout simplement, si je développe une extension pour le temps de chargement et que j'ai besoin de me greffer sur les scripts, par exemple, bah, je vais aller regarder comment font les autres extensions du marché, comment elles se greffent sur les scripts. Ah, bah tiens, elles utilisent telle fonction, tel hook. Bah, là, par exemple, pour la notion du nofollow sur les pages de login de WordPress, bon, bah, on a fouillé tous les hooks qui existaient et on a trouvé Login Head. D'ailleurs, petite remarque sur les hooks, il y a une autre extension que je ne vous ai pas montrée. Alors, si vous aimez bien transformer votre site en sapin de Noël, c'est très bien aussi. Elle s'appelle Simply Show Hooks. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, je veux afficher un bout de texte ici, là, par exemple, juste en dessous de dashboard.
Mais je ne sais pas si WordPress a créé un hook, donc si WordPress a créé une porte d'entrée pour que moi, développeur, je puisse m'insérer ici facilement sans toucher au code lui-même de WordPress. C'est-à-dire que, est-ce que dans mon extension, avec un petit bout de code, je peux dire à WordPress, affiche-moi un texte là. Bah, en fait, Simple Hook, ça va vous afficher tous les hooks disponibles. Soit les hooks d'action, soit les hooks de filtre. Alors, je ne rentre pas dans le détail pour ceux qui ne connaissent pas. Moi, je vous conseille de creuser ça si vous n'avez jamais touché hook. Ça reste le cœur de WordPress, un truc très important quand vous faites du développement WordPress. Mais il n'empêche que quand j'en cherche un particulier, bah, en fait, vous voyez, je vais cliquer sur Show Action Hook et il va m'afficher en mode sapin de Noël tous les hooks d'action disponibles dans la page. Tout ce que vous avez en haut là, donc tout cela, c'est les hooks qui se sont exécutés avant même que ma page s'affiche. Et ceux que vous verrez plus bas, c'est ceux qui sont s'affichés à cet endroit précis. Par exemple, ici, juste avant Your Recent Drafts, j'ai eu tous ces hooks qui se sont exécutés et donc sur lesquels, théoriquement, je pourrais me greffer pour effectuer différentes actions. Donc, c'est pas mal. Et après, vous pouvez même lui dire, alors là, attention, sapin de Noël x10, les filtres. Donc là, cette fois-ci, c'est pour intercepter des données, les modifier. Et vous voyez ma petite colonne à gauche, c'est l'ensemble des hooks de filtres qui sont disponibles sur la page que je suis actuellement en train de consulter dans WordPress. Donc, bien entendu, hein, c'est impossible de tous les connaître, mais il n'empêche qu'on peut se greffer sur beaucoup de choses qu'on a besoin de nos développer. Donc, en tout cas, utilisez les bons hooks parce que c'est important. Et enfin, dernière chose dans les conseils de code, avant qu'on passe à la suite, la sécurité. La sécurité informatique, c'est pour moi quelque chose d'indispensable. Vous devez vous former le plus tôt possible parce que plus tôt vous vous formerez à ça, plus tôt vous éviterez des erreurs. Je ne vais pas rentrer dans les détails non plus. Nous, vous voyez, même pour être sûr, on a fait faire un audit de sécurité à un prestataire externe, à Julio Potier, pour être sûr qu'on était parti sur la bonne voie. Mais le principe de base, c'est que dans votre code, même si vous ne l'avez jamais, jamais voulu, peut-être que dans votre code, vous avez introduit une faille de sécurité. Alors, si vous êtes dans un développement custom, le petit développement pour mon client, je lui crée un petit plugin que pour lui ou un thème que pour lui, il y a peu de risques que la faille soit trouvée par un pirate externe. Et encore que c'est toujours possible. Par contre, dès lors que vous êtes sur une extension grand public, payante ou gratuite, bah, le problème c'est que votre code peut être assez vite diffusé, assez vite disponible. Donc on peut très vite trouver votre faille. Et grosso modo, pour résumer les deux grands principes de sécurité que vous devez appliquer. Le premier, c'est que toutes les données que vous utilisez en lecture, en affichage, en enregistrement en base de données, en utilisation pour refaire d'autres choses avec, vous devez juste partir du principe qu'elle est corrompue. Si par exemple, je dis je récupère le contenu texte que l'utilisateur a rempli, je dois partir du principe de base que ce texte-là, il est malicieux et que l'internaute a essayé de me mettre des scripts, des requêtes SQL, tout ce que vous voulez pour pourrir mon site. Et donc, comme je pars du principe qu'il a essayé de pourrir mon site, je vais mettre des fonctions de sécurité pour nettoyer ce texte. Et notamment, vous avez une page. Alors, je ne veux pas vous sanitisation. Je ne veux pas vous dire. Oula, j'écris n'importe comment. Non, ce n'est pas cette page-là. Parce qu'ils ont plusieurs pages, en fait, et je vais vous montrer la bonne. Non. C'est l'ancienne. Pour l'instant, c'est celle que je trouve plus complète. Je crois que c'est celle-là. Voilà, c'est celle-ci. Je vous la mets dans le chat aussi. Ça, c'est la Bible. Vous n'imaginez pas le nombre d'heures que j'ai passé sur cette page. C'est une liste assez longue de toutes les fonctions de nettoyage de données dans WordPress. Je veux nettoyer du texte. Je veux nettoyer une URL. Je veux nettoyer un email. Je veux nettoyer du JavaScript. Je veux nettoyer du SQL. Je veux nettoyer, voilà, tout et n'importe quoi. Vous avez la liste complète de toutes les fonctions de sécurité. Donc celle-ci, pour moi, si vous êtes développeur WordPress, vous la bookmarquez, vous l'imprimez, faites ce que vous voulez, mais vous l'avez dans un coin. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, dans les deux grands points, alors il y a plein d'autres notions de sécurité de WordPress, mais ce n'est pas le but du meetup. La deuxième notion de sécurité qui est importante et qui est, allez, je dirais peut-être. Julio pourrait me contredire, mais je dirais au moins 50% des failles de sécurité aujourd'hui qui apparaissent dans les extensions ou dans les thèmes, c'est les notions de droit et les notions de nonce. Je m'explique. Quand vous allez développer une extension ou un thème, il y a des fois où vous allez développer des fonctionnalités particulières. Par exemple, je vais faire une page d'admin.
Alors, je prends un exemple, hein, je vais dans la mine de SVMX, je peux me prendre n'importe quelle extension, parce que c'est toujours le même principe. Si ça veut bien charger, bien entendu. Voilà. Prenons un exemple, je vais aller dans l'extension table presse. Donc là, j'en prends vraiment une au pif. Table presse, c'est une extension qui vous permet de faire des tableaux. Donc, là, tout va bien dans le meilleur des mondes. Vous voyez ici, j'ai un tableau formation WordPress SEO. Imaginons, je l'édite. Et dans ce tableau, vous voyez ici, je peux créer des colonnes et mettre mes petits textes. Mais moi, imaginons que je suis un pirate, que j'ai réussi à accéder à cette page-là. Je pourrais très bien lui mettre un texte corrompu et essayer de le soumettre. Je pourrais même ne pas y avoir accès et envoyer une requête en post à mon WordPress, en ligne de commande. Voilà, il y a plein de méthodes, je ne rentre pas dans le détail, sans être forcément connecté. Si le développeur de table presse, dans sa fonction qui dit enregistre-moi le tableau, il n'a pas vérifié que l'utilisateur avait les bons droits, c'est-à-dire est-ce que cet utilisateur, par exemple, est un auteur ou un éditeur ou un illustrateur quand c'est des requêtes un peu complexes, ça veut dire que je vais quand même enregistrer alors que je ne suis pas connecté. Donc, je vais réussir à rentrer et à corrompre un site. De la même façon, on va avoir la notion de nonce de sécurité. Alors, un nonce, je suis sûr qu'il y en a dans ma page là, on va vérifier. Je suis sur une page. Voyez, là, j'en ai un ici. Ici, d'ailleurs, vous voyez, j'ai une requête Ajax qui casse ce site-là. Vous voyez, je vous avais dit là, dans la coloration. Vous voyez, j'ai une erreur de base de données. Donc là, il m'affiche une petite erreur. N'empêche qu'ici, j'ai un nonce. En fait, ça veut dire que quand ma page est affichée, on a créé un petit jeton de sécurité. Et moi, quand je vais soumettre mon formulaire, quand je vais envoyer mes données, je vais envoyer ce jeton de sécurité aussi. On va devoir les comparer. Et si mon jeton est inexistant ou ce n'est pas le bon, la WordPress va me dire, bah non, ce n'est pas possible, tu n'as pas les droits. Donc ça aussi, les nonces et la vérification des rôles, c'est deux choses hyper importantes parce que c'est énormément de failles. Je suis sûr d'ailleurs dans le Slack, vous allez dans le Slack de WordPress.fr, vous allez dans sécurité. Et là, enfin, il y a certains jours où vous avez peur. En fait, là, ici, il y a un petit robot je crois que c'est Julio qui l'a créé, si je ne dis pas de bêtises, qui vous liste toutes les failles de sécurité qui ont été nouvellement découvertes sur des extensions. Donc, par exemple, l'extension Staff List, j'ai a priori deux failles de sécurité qui ont été découvertes hier. En tout cas, qui ont été rendues publiques hier. Image slideshow, pareil. Cooldown and clock, pareil. Checkout file upload for WooCommerce, pareil. Etc. etc. De mémoire, c'est basé, je ne vais pas vous dire de bêtises, sur l'API de PatchStack, qui est d'ailleurs une très très bonne extension et qui marche très très bien. Mais voilà, ça permet d'avoir pas mal de choses. J'en profite aussi au passage, le channel sécurité pour vous former au fil de l'eau en lisant ce qui se dit dans les discussions. Parce que là, il y a le robot qui passe, mais des fois, il y a des questions. Ou vraiment dire, bah, tiens, il y a ce truc-là en sécurité, je me pose des questions, comment je dois faire? Et puis il y a des gens qui vont répondre. Donc, n'hésitez pas à aller sur ce channel, c'est intéressant aussi. Mais en tout cas, la notion de comment ça s'appelle, j'y arrive, de sécurité, quand vous faites du développement WordPress, et d'ailleurs même quand vous faites du développement tout court, ça reste quelque chose d'hyper important à garder en tête. Donc tout ça, c'est des choses à garder en tête. Donc ça, c'est mes grands conseils de code. Comme je le disais, ce n'était pas un meet-up pour apprendre à coder une extension, mais plutôt les grands principes. Et ce qui m'amène à un sujet qui m'intéresse beaucoup plus, qui est l'UX. Je m'explique. En fait, quand vous allez développer une extension, quand vous allez vouloir répondre à un besoin, vous allez avoir deux approches différentes possibles. La première approche, c'est l'approche fonctionnelle pure et dure. Quelles sont les fonctionnalités dont les utilisateurs ont besoin et quelles sont donc les fonctionnalités que je vais créer? Si je prends SEOKit, ben on va se dire d'abord, d'un point de vue SEO, tiens, il faut gérer les sitemaps, il faut gérer les redirections, il faut gérer des balises title et des balises metadescription. Donc, on va avoir une approche un peu terre à terre. Hein. On va lister toutes les fonctionnalités, puis on va les développer les unes après les autres. Mais vous avez une deuxième approche que je trouve, elle, beaucoup plus intéressante et qui est le cœur du métier. C'est la facilité avec laquelle un internaute, un utilisateur, va utiliser votre extension. Je m'explique. Je vais revenir ici. Je vais revenir sur une extension. Je vais prendre l'exemple de Yoast.
Je vais dans les réglages SEO. Alors là, vraiment, je préviens, je précise, j'ai pris Yoast parce que je la connais et puis je sais que je vais pouvoir avoir des exemples. Je ne suis pas là pour critiquer en tant que tel, c'est juste pour vous montrer la démarche dans tous vos développements. Parce qu'en fait, vous allez développer une fonctionnalité pour répondre aux besoins. Ça, c'est la condition sine qua non pour que votre extension marche et plaise aux gens. Si je fais une extension de formulaire, il faut que mon extension de formulaire, elle ait telle ou telle fonctionnalité pour que les gens l'utilisent. Sinon, il n'y a aucun intérêt. Mais la façon de présenter la fonctionnalité a énormément d'importance. Et surtout, et ça, moi, je travaille dans le web depuis 2008 et je m'en rends compte d'année en année, vous ne pouvez pas savoir à l'avance quel est le niveau de la personne. Sa connaissance déjà de l'informatique au sens large, l'utilisation d'un Mac ou d'un PC, voilà, est-ce qu'elles sont à l'aise avec ça? Des notions d'informatique au sens basique du terme. Et après, par rapport à votre extension, leur connaissance de votre secteur d'activité. Si je prends l'exemple de Yoast, bah, est-ce que les gens connaissent ou pas certaines notions? On va faire un petit tour de table. Vous allez voir, normalement, dans le channel, vous pouvez lever la main. Qui, du premier abord, peut juste me dire si vous savez ce que c'est que le knowledge graph? Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez ou pas du tout, ou jamais entendu parler, ou c'est quelque chose que là, je vous apprends au premier abord? Donc là, on a Victor, jamais entendu. Donc j'ai une personne qui lève la main qui dit qu'il a connu. Ça fait pas grand monde. Donc ça, c'est un exemple. Et pourquoi je prends cet exemple-là, c'est que si moi, développeur, je développe une fonctionnalité, je ne peux pas partir du principe que les gens vont la comprendre du premier abord. Je dois déjà me dire, il faut absolument que je me mette à la place de l'internaute et que je pars du principe qu'il ne sait pas de quoi je vais parler. Et donc, je vais devoir me dire comment est-ce que je peux rendre intelligible et compréhensible ma fonctionnalité. À quoi elle sert, comment elle marche, pourquoi c'est important, etc., etc. Et en plus, alors si je prends l'exemple du knowledge graph, je vous explique rapidement, le knowledge graph, c'est tout simplement pour Google le fait d'avoir ce qu'on appelle des entités. C'est-à-dire que quand Google parcourt le web, en fait, il va définir des entités dans sa base de données. Et il va pouvoir y agréger toutes les données. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est un exemple récent. Nous avons élu, il y a eu les élections présidentielles récemment, donc Macron est de nouveau président. Et en fait, ce que vous avez à droite là, cet encart-là, ça, c'est un encart qu'on appelle du knowledge graph. Ce sont les informations liées à l'entité Emmanuel Macron. Et là où c'est intéressant, c'est que j'ai tapé Macron, mais si je tape président de la France, je vais avoir l'ensemble des entités du knowledge graph liées au président de la France. Et en premier lieu, Emmanuel Macron, que j'avais juste avant, ici. Donc, ça, c'est juste un exemple. Mais quelle que soit la fonctionnalité que vous allez développer dans votre extension, il faut la rendre intelligible. Et donc, l'UX, c'est tout ce travail-là de vous dire comment est-ce que je fais en sorte de la rendre la plus simple possible. Donc, la première chose, comme je vous disais, c'est vous mettre à la place de l'utilisateur. Je ne sais pas son niveau, je ne sais pas ses connaissances, il faut que ça rende compréhensible. À l'inverse, la personne experte doit aussi comprendre de quoi je parle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que je simplifie tellement que la personne ne va pas savoir que je parle du knowledge graph. Il faut que je trouve comment dire, l'entre-deux pour marier les deux mondes. Ou alors de faire deux extensions différentes. Une extension pour les débutants, une extension pour les pros. Ça aussi, c'est un autre choix, c'est par exemple ce que fait RankMath dans notre secteur d'activité. RankMath, quand vous l'installez, vous pouvez dire je suis débutant ou je suis expert. Et après, en fonction de ça, il affiche ou pas des deux. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, et ça, c'est un conseil, alors, nous, c'est ce qu'on a fait dans les Soki. On verra si l'avenir nous donne raison ou tort. On pense que ça nous donnera raison. C'est qu'il va falloir faire des choix. Ce n'est pas parce que les autres extensions ont développé telle fonctionnalité ou que les autres extensions la présentent de telle ou telle façon, qu'il faut absolument le faire de la même façon. Vous avez un vrai choix à faire en termes d'ergonomie et de développement de tout l'UX. C'est des choses toutes bêtes, mais qui peuvent avoir de l'importance. Je vais vous donner un exemple. Donc là, je prêche pour ma paroisse parce que c'est quelque chose que j'ai développé récemment. Mais par exemple, ici, vous avez donc le Knowledge Graph et le schema.org de Yoast, dans lequel je vais dire, je suis une entité ou une personne. Je mets un nom, un logo. Je suis sur des choses assez basiques, mais il n'empêche que la terminologie n'est pas compréhensible.
À l'inverse, nous, notre choix a été de se dire, bah, en fait, on va étoffer, on va avoir plus d'options, que nous, au contraire, on considère qu'il y avait plus d'informations à donner à Google, mais par contre, on ne va pas parler de Knowledge Graph. On va juste dire à la personne de quoi parle votre site. Ah bah tiens, je suis une personne, une entreprise, et en fonction de ce que je choisis, je vais mettre toutes les informations qui sont utiles. Donc là, en l'occurrence, mon logo, mon numéro de téléphone, mon pays, est-ce que je suis ouvert au public ou pas, etc., pour la même fonctionnalité. Vous voyez, sur la même fonctionnalité, on a une approche différente. On a simplifié, nous, le wording, mais on a mis plus de champs. À l'inverse, Yoast a moins de champs, mais avec un jargon beaucoup plus technique. Et donc, forcément, pour le commun des mortels, beaucoup plus compliqué. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Et ce qui m'amène au troisième point, parce que ça aussi, c'est important. On se met à la place de l'utilisateur, on fait des choix, et le point ultime, on itère. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'essayer de collecter un maximum de retours de vos clients, de vos utilisateurs, et ils vont vous dire, tiens, ça j'aime bien, ça j'aime pas. Ah, ça, on pourrait aller plus loin. Tiens, j'ai adoré cette fonctionnalité-là. Et donc, nous, en fonction de ces retours, on va changer les textes, on va changer l'interface, on va changer l'UX, on va changer l'aspect du formulaire, l'emplacement des pages, enfin, on peut faire plein de choses, hein. L'idée, c'est ça. Par contre, une chose très importante pour finir sur l'UX, il faut savoir que l'être humain, il a une phase d'apprentissage. Vous lui donnez une nouvelle interface, c'est-à-dire que demain, je vous donne l'interface, si je reviens sur, où est-ce que j'étais? Ici, sur Yoast. La première fois que vous allez aller dessus, vous allez être perdu. Alors, je ne parle pas de Yoast, je parle de n'importe quelle interface. Parce que votre cerveau, c'est une nouvelle interface, c'est un plugin. Vous allez avoir du mal pour rentrer de dire, tiens, je commence par où est-ce que je clique, où est-ce que je vais. Et une fois que votre cerveau aura appris cette interface, il aura beaucoup de facilité à s'y déplacer, à l'utiliser. Inversement, une fois qu'il est fortement habitué à une interface, on lui propose une interface, même si elle est plus simple, il va avoir du mal à s'y mettre. Parce qu'il y a cette phase d'apprentissage, même si pourtant c'est plus simple. Donc, c'est des choses où il faut vraiment trouver le juste milieu et puis itérer au fur et à mesure. Excusez-moi. Donc, ça, c'est des choses vraiment qui sont importantes à garder en tête sur l'UX. Vous devez essayer de faire. On va finir cette conférence. Oula, je suis allé hop, trop loin. Sur les problèmes. Parce que là, je vous ai parlé, hein, voilà, de différents aspects de la création. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu plus, nous, les problématiques qu'on a eues dans le développement des SOCI, et qui ne sont pas des problèmes d'ailleurs spécifiques à notre extension de référencement naturel, mais qui sont liés à n'importe quel développement que vous pourriez avoir. Parce que nous, pour réexpliquer la petite histoire, SOCI, c'est un projet qu'on avait depuis 2015 ou 2016, donc l'idée en tout cas, mais où on s'est vraiment mis à travailler dessus en septembre de l'année dernière. Alors, il y avait d'autres développeurs qui avaient travaillé dessus avant, donc Léo Fontin qui travaillait pour nous à l'agence, et puis en externe, Julio Potier, ils avaient commencé le travail, mais le gros du code est arrivé tardivement. Et quand on code une extension, on a des problématiques qu'on va retrouver assez souvent. D'abord, ce que j'ai appelé les bugs et cas particuliers, c'est ce que je vous disais au tout début de la conférence, vous devez tester, tester et tester en long, en large, en travers. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y aura toujours une personne qui, en fonction de son serveur, de sa base de données, de sa configuration de WordPress, de ses autres extensions, votre code ne marchera pas. Mais juste chez elle, chez tous les autres, ça marche. Et c'est là d'ailleurs où c'est le plus frustrant pour un développeur, parce que vous allez perdre beaucoup d'énergie, parce qu'en fait, vous devez comprendre le pourquoi du comment. Je vous donne l'exemple là récemment sur SEOKI. Nous, on utilise l'API de la Google Search Console pour récupérer des données de trafic et donner des conseils à l'utilisateur. Bah, en fait, sur un client, lui, il n'a aucune donnée qui rentre, mais que lui. Alors que tous les autres, ça marche sans aucun problème. Et donc, c'est un cas particulier. Et donc, il va falloir qu'on passe du temps pour trouver une solution, pour essayer de comprendre pourquoi chez lui, les données ne s'affichent pas. Et en fonction du nom d'extension, de thème, de configuration, vous n'imaginez pas le nombre de cas particuliers qui peut exister. Moi, ce que je vous conseille, hein, vous êtes développeur WordPress, c'est de vous dire, moi, je dois être compatible avec une installation déjà propre, simple, et ensuite vous prenez tout simplement les thèmes les plus utilisés, les extensions les plus utilisées dans WordPress, et vous vous rendez compatible. D'ailleurs, à ce propos, de mémoire, je ne vais pas vous dire de bêtises, je vous le retrouve.
C'était sur celui-là ou non, c'était pas lui. C'était peut-être sur lui, je ne veux pas vous dire de bêtises. C'est ça, c'est pratique. Donc, je vais taper SEO pour vous donner l'exemple. C'est un petit moteur de recherche qui vous permet en fait en un temps record d'avoir de ressortir l'ensemble des extensions liées et surtout d'avoir une vue, enfin, visuellement, un ordre d'idée du nombre d'installations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je fais une extension, par exemple, de temps de chargement et que je me dis, bah, tiens, moi, je vais être sûr d'être compatible avec toutes les extensions de référence naturelle, bah, en gros, je les prends par ordre du nombre d'installations et je vais me dire, bah, OK, Yoast est le leader, il faut d'abord que je sois compatible avec Yoast. Ensuite, donc 5 millions d'installations actives. Ensuite, All in One, 3 millions. Ensuite, Rank Math, 1 million. Ensuite, Aexeco, SO Press, SQL SEO. Ensuite, The SEO Framework. Et puis, vous y tirez comme ça pour vous dire, bah, je vais rendre ma compatibilité. L'idée étant d'essayer de vous dire, moi, j'ai besoin de savoir comment ça s'appelle, lesquels sont les plus installés, comment est-ce que je peux me rendre compatible avec le plus d'extensions. Donc, tout ça, je vous le remets juste, ça s'appelle WP Hive. Et juste pour info, vous avez aussi les notions de tri par popularité. Enfin, c'est en termes de notes. Mais je peux voir toutes les extensions les plus populaires sur le dépôt officiel de WordPress dans ce coin. Alors, Frédéric pose une très bonne question. Ça ne pose pas une question de budget? Si. Malheureusement, si vous voulez vraiment être compatible avec tout le monde, il vous faudrait une armée de développeurs. Donc, de toute manière, vous ne pourrez jamais être 100% compatible avec tout le monde. Il suffit de prendre n'importe quelle extension que vous utilisez aujourd'hui et vous verrez qu'il y a régulièrement des mises à jour avec correction de tel bug avec telle autre extension ou avec tel thème ou avec telle fonctionnalité, etc. etc. Parce qu'on ne peut pas tout prévoir et on ne peut pas tout tester. Donc, l'idée, c'est d'essayer d'être compatible avec les majeurs et puis après d'étendre la compatibilité. De toute manière, si vous vendez ou si vous donnez gratuitement votre extension, vous aurez des demandes de support. De toute manière, elles vont arriver au fur et à mesure et à vous de les traiter correctement. Donc, c'est vraiment des choses à prendre en compte. Pour revenir à ça, ensuite, nous, il y a deux choses qui nous ont, je vais rester poli, fortement embêtés dans notre dev. C'est d'une part Gutenberg et ensuite le cœur de WordPress qui, des fois, fait un peu n'importe quoi. Alors, je m'explique dans les deux cas. Gutenberg, pourquoi? Parce que déjà, si vous voulez coder avec Gutenberg et le faire bien, il va falloir apprendre React. Donc déjà, il y a une courbe d'apprentissage pour se mettre à React et pouvoir coder correctement vos propres blocs Gutenberg et ce genre de choses. Ça, c'est la première chose. Mais c'est surtout que Gutenberg, contrairement à l'histoire de WordPress dans le passé, pour la première fois, ils ont vraiment changé leur approche. C'est-à-dire qu'avant, les versions majeures de WordPress, un des critères principaux, c'était de se dire, je dois être rétrocompatible. C'est-à-dire que je mets à jour la version majeure de WordPress. En tout cas, pour le cœur de WordPress, et rien ne doit casser. Malheureusement, dans Gutenberg, ce n'est plus le cas. C'est-à-dire que Gutenberg n'a pas réutilisé ou n'a pas créé les mêmes hooks que ceux natifs dans WordPress. Je vous donne un exemple très basique. Nous, dans SOKI, à un moment donné, on a voulu filtrer les widgets de WordPress. Parce que certains widgets, nous, en tant que référenceurs, nous posaient problème. Et ben, malheureusement, on a un hook tout basique en PHP qui marche très bien et qui marchait très très bien. Et puis dans Gutenberg, en fait, le hook, il n'existe plus. Il n'est plus utilisé. Donc en fait, votre petit code qui en trois lignes faisait ce que vous vouliez avant, et bien maintenant, il faut recréer un énorme fichier JavaScript pour surcharger Gutenberg et juste pouvoir faire ce que vous voulez. Donc Gutenberg a été une tannée pour nous. D'ailleurs, ça l'est toujours, mais ça, c'est des choses un peu enquiquinantes. Et enfin, c'est tout ce que fait WordPress dans votre dos. C'est pour ça que je vous disais, installer, activer le debug log. Activer Query Monitor, activer Snitch, parce que vous allez vous rendre compte de WordPress qui d'un coup fait plein de choses derrière votre dos et vous allez vous dire, mais tiens, c'est vraiment assez improbable. On va faire un petit exemple. Ceux d'entre vous qui connaissez les post-types, on est d'accord que quand vous installez un WordPress, par défaut, vous allez avoir deux post-types qui vont être créés. Vous allez avoir les articles et vous allez avoir les pages. Donc là, dites-moi dans le chat ou alors levez la main dans la discussion pour me dire si vous êtes d'accord avec ça. Mais nativement dans WordPress, j'ai deux post-it. Bah en fait, vous avez tort. Nous, on a découvert qu'il y en avait 8, 9. Parce qu'en fait, ils ont créé plein d'autres post-it
en mode un peu privé, pas forcément avec un affichage directement. Mais ce qui fait que nous, bon, on s'en doutait pas au début, donc dans certains développements, j'ai dit, bah, disons qu'il y a des trucs vraiment bizarres qui commencent à apparaître, et il a fallu qu'on les fixe. Et c'est là où PHP Storm est intéressant. C'est par exemple, tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'il y avait des post-it qui apparaissaient dans certaines de nos fonctions. On s'est dit, bah, mince, ça vient d'où? Et ben, en fait, on a fait des recherches dans le code source de WordPress pour retrouver où est-ce que c'était déclaré et dire, ah bah tiens, c'est là. Ah bah tiens, il y a ce post-it-là, je ne le connaissais pas, ce post-it-là, je ne le connaissais pas, et ainsi de suite. Prenons un exemple, vous allez voir, je vais faire une petite recherche. Je vais aller taper dans mon install hop, de WordPress ici. Je vais aller chercher un petit register post-type. Oula, j'écris n'importe quoi. Et là, ici, je vais avoir tous les registres post-type de WordPress. Et donc, par exemple, sachez que les nav menu items sont un post-type de WordPress. Si je descends, les custom CSS, c'est un post-type. Le customize set, c'est aussi un post-type. Etc. Le home embed cache est un post-type. Le user request est un post-type. Etc. 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 Et c'est pour ça que quand vous codez, vous allez découvrir ce que fait WordPress un peu partout. Et c'est assez marrant de comprendre en fait vraiment comment ça fonctionne quand on commence à creuser en fait certaines fonctionnalités. Et donc, nous, en tout cas, on a eu beaucoup de sueur froide avec ça. Parce que c'était compliqué. Enfin, on a eu deux derniers problèmes et je terminerai là-dessus ce petit meet-up. Les notions d'hash access et les notions de scalabilité. Alors, l'hash access, je vais commencer par l'hash access parce que c'est un cas un peu particulier. Mais nous, en tant que référenceur, quand on crée un serveur de développement, on veut vraiment le bloquer des moteurs de recherche. Donc, on met une protection HT access et HT password. Et le problème, c'est quand vous faites ça, c'est que vous verrouillez, en fait, vous créez une bulle autour de votre WordPress. Vous savez que quand vous créez votre bulle autour de WordPress, votre propre WordPress lui-même ne peut pas communiquer avec lui-même. Donc, en fait, il se retrouve bloqué sur lui-même. Et donc, ça nous a posé beaucoup de problèmes de développement pour débugger des tâches cron, des requêtes Ajax, ce genre de choses. Ça a été un petit peu la croix et la bannière. Et la dernière chose, et là, je remercie Julio parce qu'il m'a donné quelques très bonnes pistes, c'est la scalabilité. La capacité de votre extension à fonctionner, quelle que soit la taille du site sur lequel vous allez l'installer. Ou. Quel que soit le serveur. C'est-à-dire, dans un cas de figure, si je suis sur un site avec 50 000 contenus, et inversement, si je suis sur un serveur qui a 64 mémos de mémoire vive et qui a un processeur tout pourri. Dès que vous êtes sur une extension lourde, ça va être compliqué. Nous, par exemple, je peux vous montrer, parce que vous n'imaginez pas le nombre d'heures que j'ai passé dessus et le nombre de prises de tête. Un des gros modules, un des gros points forts des Soaky, c'est un module d'audit. Donc, en gros, vous avez un petit bouton, là, vous appuyez sur Launch, et en gros, c'est parti. Il va auditer l'intégralité des contenus de votre site, vous le laissez réfléchir et puis vous allez prendre votre café. Sauf que ça, quand vous êtes sur un serveur de dev, ça marche bien, c'est pas un souci. En fait, la première fois où on l'a testé sur un gros site, j'ai appuyé sur Launch. Et alors là, j'ai crashé le serveur directement parce que tout d'un coup, en fait, j'ai consommé trop de ressources. Et donc, en fait, ce genre de problématique, c'est des choses qu'on n'anticipe pas forcément et malheureusement qui arrivent. Et donc, dans votre code, il va falloir essayer de trouver des moyens. Là, pour la petite histoire, j'ai repris la même chose que peut utiliser CQPress. Je ne sais plus, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que Rocket l'utilise aussi. En fait, c'est une librairie qui permet de lancer des tâches asynchrones. Et en gros, on lance en tâche de fond des fonctions PHP. Et en gros, dès que le serveur commence à saturer, la tâche se met en pause, elle attend que le serveur reprenne, et puis la tâche va reprendre après coup. Donc là, vous voyez, sur un site tout pourri, j'ai pu lancer mon audit sans souci. Donc ça, c'est vraiment des notions de scalabilité qui sont des fois hyper complexes parce que vous ne pouvez pas les anticiper. Puis surtout, vous, en tant que développeur, des fois, vous n'avez pas d'exemple. Vous n'avez pas, tous les développeurs n'ont pas un site avec 300 000 contenus pour tester, voir si ça marche. Donc, c'est des fois compliqué. C'est pour ça, je peux le redire, n'hésitez pas à demander de l'aide à la communauté parce que vous allez vous dire, tiens, je cherche des bêta-testeurs. Et bah, vous aurez des gens qui pourront tester ce genre de problématique. Donc voilà, c'était le petit mot de la fin. Donc, merci de m'avoir écouté pendant, il est quelle heure déjà? Quasiment 2 heures. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez des questions, je suis encore disponible. Donc n'hésitez pas dans le chat à me poser des questions. Voilà, sur la création d'extensions, sur les problématiques qu'on peut avoir, je suis dispo. Et pour redire à tout le monde, la vidéo est enregistrée, on la mettra sur la chaîne YouTube de la communauté WordPress de Nantes.
On la rediffusera aussi sur Twitter, etc. Et puis je pense que moi, avec mes propres comptes sociaux aussi, je la repartagerai. Donc, ceux qui ont loupé le début ou qui voudraient réécouter, vous pourrez le faire sans souci, quoi. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. A priori, dans le chat, ça a l'air. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'essaie de répondre au fur et à mesure dessus. J'en profite en attendant de voir s'il y a des questions ou pas. On cherche toujours des orateurs pour les prochains meet-up et le prochain meet-up aussi de Nantes aura lieu en simultané et en visio et en présentiel. Comme ça, ceux qui sont dans le coin, on peut aller boire un verre et manger ensemble après. Et puis, bah, ceux qui sont là pourront quand même y assister en direct et poser leurs questions. Donc, voilà. Si en tout cas, ça c'est pour le prochain meet-up, je n'ai pas encore de date, pas encore de sujet aussi, il faut réfléchir. Et si en tout cas, je vous redis, si certains d'entre vous veulent partager, même en tant que débutant, c'est toujours hyper intéressant et enrichissant. N'hésitez pas, vous dites, voilà, moi, la sécurité m'intéresse, ou le temps de chargement m'intéresse, ou l'ergonomie, ou le développement durable. Et le web, voilà, n'hésitez pas. Vous me poquez sous Twitter, vous m'envoyez un petit mail. C'est avec plaisir qu'on pourrait organiser un prochain meet-up, soit là un peu en mode conférence, mais ça peut être aussi en mode atelier, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Bah, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions, c'est parfait. Ça veut dire que j'ai été clair et limpide, c'est pas mal. Ce que je vous propose à tous à ce moment-là, c'est que je vais vous souhaiter à tous une très bonne soirée et puis à très vite, à un prochain événement, un prochain meet-up, un prochain WordCamp et puis à bientôt tout le monde. Je vous dis à tous très bonne soirée et à la prochaine.